On va aller se mettre où du coup? Tac, tac, tac. Custom. Désolé pour les 5 minutes de retard. 6 minutes de retard même. On va aller faire. Attendez. C'est où déjà? Je sais plus. Create Online. Voilà, c'est ça. Pam, pam, padam. Du coup, Pro League. Yeah, Pro League. On va aller s'installer par là-bas. Spectateur, hein, on est d'accord? Oui. En avant. God damn it, j'ai chaud. Ok. Alors. En avant, je vais les mettre dans live. Et si la prod veut venir dans mes oreilles, lol, elle peut. J'ai trop le seum, je peux pas faire le teach-us, mais j'aurais voulu apprendre des trucs. Bah déjà, on apprend pas trop des masses au teach-us, on se fait surtout bien saucer. Et effectivement, en plus, il faut être étudiant au campus, les amis. C'est qui, là? Ah, et c'est qui, là? Hello, hello, c'est Pilo. Hello, hello, c'est Pilo. La même voix que ton frère, toi. Et pourquoi t'as la voix si grave en revanche? Parce que. T'as boosté. Parce que j'ai fait quelques règles. Ouais, parce que bah, quelques réglages. C'est bon, et Pilo, l'autre, il a cru qu'il allait se mettre une voix de d'acteur porno, là. salut, non. C'est Pilo. Non, mais là, faut remonter un petit peu. Ouais, mais... faut que je fasse quelques changements, mais Ok. Bon, alors, du coup. Du coup, on va commencer sur la game gold. Ouais. Donc, du côté de l'équipe bleue, je t'invite à inviter Excel. Est-ce qu'ils sont tous étudiants au campus? Normalement, oui. Normalement. Je fais un test ou pas pour aller voir si normalement ils sont tous abonnés? En soi, normalement, oui, parce que j'ai pris en priorité ceux qui sont sub. En priorité. Non, je plaisante, ok. Du coup, alors attends, bouge pas. Tu m'as dit Excel? Ouais, c'est ça. Ok. Alright, c'est fait. Et de l'autre côté, c'est Marcus Owen. Marcus Owen. Ouais. Je l'ai pas, du coup, je vais l'ajouter. Tu l'as déjà. C'est Monster X. Il a fait un coaching avec toi. Monster X. Bah, donne-moi son pseudo, du coup, en fait. C'est Marcus Owen ou c'est Monster X? Il a trop. C'est Monster.x. C'est Monster.x. C'est ça. H-I-X-E. H-I-X-E. Oui. Et Monster, M-O-O-N-S-T-E-U-R. Quoi? Épelle ouais. Tout doucement. M-O-N-S-T-E-U-R. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, je l'ai. Ah oui, d'accord, ok. Donc, y a, parce que tu me dis monster.x, tu sais, genre, c'est logique, quoi. Oui, mais il oui. Oh, y a rien qui va dans son pseudo. Hein. D'accord. Non, ok. D'accord. Du coup, c'est Jean-Claude, son pseudo. Bah, quand même, Jean-Claude. Hein? G-E-N-S-K-O-K-L-O-D-E. Nom de Dieu. Ok, alors attends. Ça c'est bon, voilà quoi. Et Artaïk, il est abonné lui? Oh, je crois depuis 4 ans, je suis pas sûr. Ok, il est un peu nul ton ref, non? Oh, faut pas le dire, chut. Mais y a des gens dans la famille qui sont bons sur Rainbow Six ou pas? Ah mais y'a que Artaïk et moi. Non mais j'ai dit bon hein. À R6. Ah ouais, ok. Merde. Ok. Alors attends. Du coup, ok. Et quoi d'autre? Il y a d'autres choses à dire?
Quoi ? Il y a d'autres choses à dire ? Oui, le nom des teams, côté bleu, ça sera Excel, signe supérieur, Nano. Mais d'où est-ce qu'ils choisissent leur nom d'équipe ? Je les encule, moi, en fait. Tu vois ? Ah, on avait l'habitude de faire ça. Ouais, ok, bah écoute, c'est marrant parce qu'on l'a jamais fait, en fait, ce genre de truc-là. Donc c'est marrant que tu aies une habitude d'un truc qui a jamais été fait. Et Pilo, qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense ? Dans mes souvenirs, il me semblait qu'on faisait ça. T'es vraiment comme ton frère, toi, hein. Putain, la vache. Ok, bon, c'est bon, ils sont tous là en attendant. Le chat, on met quoi ? Insupportable Six, c'est le nom de l'équipe ? Vous voulez quoi ? C'est bon, merci, Pilo, du coup, je pense qu'on est bon. Enfin, je crois qu'on est bon. Mais du coup, enjoy la game et à tout à l'heure. Allez, dégage ! Psst. Il va encore après m'envoyer un message en disant oh, t'as été méchant avec moi. Putain la vache, je suis tout petit ici. Ah yeah, salut. Comment ça? Ouais, c'est bien. Bonjour, c'est trop bien le T-shirt. Salut. Ouais, le T-shirt ça va être trop bien et tout. On va passer un bon moment ensemble et tout. Ça va être incroyable. Ça va être... What the fuck is going on? Voilà, là c'est bon non? Un peu gros. Ah, le mégalomaniaque. Hey, les gars, bah on va regarder la Teachers. Hey, bah on va passer un bon moment. Bah, vous avez exactement. Hey, bienvenue, c'est Just. Merde, j'ai vu comment il s'appelle, là. Janixie, là. L'américain, là. Ah, mais c'est bien si j'ai un truc un jour coincé dans une dent, tu vois. Vas-y, pourquoi ça marche pas là, hein, fils de pute? L'homme qui découvrait OBS. Ah, aidez-moi! Ah, je m'abuse comme un enfant. Ok, donc du coup... la censure de la modération. Mais bien sûr qu'il y a une censure, fils de pute. Ou tu l'as cru quoi? Qu'on allait t'écouter dire n'importe quoi? Ça va là? Ça me paraît pas trop mal. Ok, c'est pas nimp. Incroyable, la censure, ce mec est fou. L'américain c'est vrai, il y en a pas beaucoup. Jinxy, Disney. Décale un peu, je vois pas bien là. On s'en bat les couilles. L'intérêt, c'est WAM. C'est moi le créateur de contenu, ok? Alors, les pins des bois en équipe bleue. Ouais, ça me va, ça. J'aime bien. Ok. Pins des bois. Après les BDS, les PDB. Ok. Et l'autre après? Allez, vas-y. Suzura Senin. Eh, hey, le prochain qui offre un sub, il a le droit de mettre le pseudo qu'il veut. Vous pouvez faire votre pub si vous voulez. Merci TN pour Suzura Sonin d'avoir offert les 33 mois de frais de scolarité. Ouais, c'est comme ça, que de la thune ici, ok. Voilà quoi. BDS, vous avez déjà fait la blague 6000 fois, ok. Assis. Ah putain, il a refait la blague. Ok, et pour l'autre, du coup, on va pas mettre pin des bois quand même. Vas-y, pareil. Vous avez le droit à un sub, c'est vous qui décidez. Prochain qui donne le sub, il a le droit. Merci infiniment, en tout cas, à Sivae pour Mordos de lui avoir payé ses 3 mois de frais de scolarité. Merci TN pour Inoir qui donc décide les noobies. Comme ça, il a mis. Voilà, bah c'est pas moi. Ok, 2 subs et vous avez le droit de décider la map. Ouais, vas-y, je m'en bats les couilles. Tout est en sub maintenant. 2 subs et vous les envoyez sur une map qui est officielle. Oregon, Clubhouse, Café, Chalet, Border, Skyscraper, Theme Park, Villa ou Banque. Tu fais tes affaires là, Six. Ben ouais, parce qu'il y a des mecs comme toi, la mine, ils profitent du contenu sans jamais me payer, ces petits fils de pute. 20 euros pour Bartlett. Tu me donnes 20 euros et je rajoute Bartlett. Ah, mais c'est un truc de fils de pute, Bartlett, mec. Attends. Non, mais je vais aller faire le truc du sondage.
quelle map on va avoir... Hey, est-ce que... Bon, est-ce que là, il y a 9 maps, les amis. Est-ce que ils ont rajouté consulat dans le map pool pro ou pas? Hein? Non, oui. Regardez-moi ça. Regardez le chat. Regardez la qualité de mon chat. Oui! Non! Fils de pute! Je t'aime! Enfin, je sais pas. Ah bah bravo. Non, pas encore normalement. Donc là, les 9 maps que j'ai là, au-dessus de ma tête, c'est les bonnes. C'est toujours les mêmes. Eh, les experts de Rainbow Six, là. Si vous savez pas, vous dites rien. Je t'aime pas, 6-4. Ouais, mais prends un sub quand même, parce que toi, t'es déjà utilisateur suspect, fils de pute. Donc, tu vas faire un tour au goulag vite fait, tu vas voir. Putain, direction Pyongyang, mon gars. Un aller, zéro retour. Rien. Oregon, 6, calme-toi. Je t'emmerde. Y a que 3 maps sur Rainbow Six. Salut. Salut. Il est chaud, le pépé. Mais le pépé, il encule ta daronne, enculé. Ça va pas de m'appeler comme ça ou quoi? Parce que j'ai la barbe blanche qu'il faut se permettre de me dire des choses que vous vous permettez sur Internet. Mais vous allez tous être là, si vous allez à la Gamer Assembly. Suscott, s'il te plaît. Tu veux bien prendre une photo, s'il te plaît? Ou alors le père qui arrive. C'est mon fils. Il vous aime beaucoup, franchement. Mais il a peur de vous demander un gnagnagnan et tout. Oh là là. Suscott, s'il te plaît. Je peux te sucer vite fait dans les toilettes? Ah ouais, et après sur le chat c'est en mode Suscott, je t'aime pas et tout. Et après à la Gamer Assembly, je peux te pépon ou pas? Non, franchement, je fais bref, vraiment bien. Ah là là, vous êtes trop drôle. T'as pas tort. Non mais c'est, hey, y'a que la raison ici. T'es aigri dans la vie. Qu'est-ce qu'il a mis ce fils de pute là? T'es aigri dans la vraie vie, même pas tu m'as dit bonjour à la GA. Mec, Arxen, je t'ai pas dit bonjour à la GA parce que tous tes teammates m'ont dit que tu puais de la gueule. Eh, c'est chaud, mec. Quand on vient à la Gamer Assembly, ouais, on évite de manger du rat crevé, quoi. Qui lui-même, le rat, avait mangé visiblement un truc pas très frais, à mon avis. Ah non, eh, franchement, Arxen, franchement, c'est chaud. Hein. Eh, toute la Gamer Assembly, tu sais, on s'est dit, tiens, ça sent le pâté. Mais tiens, ils vendent pas de pâté. Et donc, toute la communauté se disait, tiens, c'est Arxen. Ah ouais, il est là, le truc, tu vois. Ah ouais, bah ouais. Alors, je mets quoi? 2 subs pour deviner la map, ou alors bah, je la fais deviner en mode démocratie. Donc ouais, Arxen, s'il te plaît, putain, frotte bien sur les prémolaires, enculé. Ok, donc du coup, Oregon, chalet, villa, theme park, skyscraper, café. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clubhouse. Clubhouse. Café, j'ai fait chalet, j'ai fait border. Merde, à chaque fois j'oublie. Border. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en manque une, putain. Banque. Putain, eh. Eh, vous êtes d'accord que banque? Eh, banque, on la voit plus jamais. Merci Toy Toy d'avoir offert la possibilité à 2 personnes de payer leur droit de scolarité. Attendez, parce que moi j'allais vous faire. Là, j'allais vous faire voter, hein. J'allais vous faire voter. Franchement, j'allais faire le truc en mode démocratique. Hein. J'allais faire un truc genre, comme ça. Et vous auriez pu voter. Et ça, ça aurait été incroyable. Tu vois, genre, vous pouvez voter, vous tapez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans le chat, etc., machin. Et ça, c'est un truc de cool, qui est vraiment cool, tu vois. Et je crois à ces éléments de type démocratique. Et regarde, il y en a, ils sont partis. Hein. Ils sont en train de taper 1, 2, 3. C'est incroyable. J'adore ce partage entre nous. Mais vous irez vous faire enculer parce que Toy Toy a payé. Et ça, c'est un rappel de la vraie démocratie. Ceux qui ont l'argent décident. Et ça, c'est une belle leçon de vie que vous venez de recevoir. Du coup, sachant qu'en plus, Toy Toy a payé 2 droits de scolarité, merci beaucoup, pour UK et Baptiste. Mais que dis-je derrière? TN a payé 5 droits de scolarité. Donc au final, les 2 droits de scolarité, à savoir quand même 8€ que vient de donner Toy Toy, qui en plus est un gros payeur au campus de la Salty Academy, j'ai envie de dire, va te faire enculer, tu vois.
L'autre est arrivé, bam, il a mis le carnet de chèque. Il a mis 5 droits de scolarité. Hein. Mais derrière, Toy Toy, du coup, se joue au jeu. Et il envoie 10 droits de scolarité. Hein. Ce qui est un truc de ouf au final. Il s'arrête plus. Hein. Parce que derrière, il se dit, attends, je vais pas me faire enculer par ce gros fils de pute. Ok. Et moi, j'ai envie de leur dire quelle est la map. Il pose ses couilles avec son portefeuille sur la table. Bam, 10 droits de scolarité qu'il envoie. Et ça va être à lui. Hein. En plus, il paye des droits de scolarité à des gens de la communauté qui sont un petit peu des noobs. Genre, merci Toy Toy pour Mowgli. Mec, il fait 15k euros par mois, là, payé par son équipe de D4, là, du football anglais dont j'ai jamais entendu parler. Et derrière, il a même pas des droits de scolarité. Donc merci à Toy Toy de payer à Mowgli ses 7 mois de frais de scolarité. Merci Toy Toy pour Deo Juvente, El Cholo, Nayan, Esport Ready, Le Smoker, Joshu Leo, Palmier, Crisis et Wawa qui sont tous payés leurs droits de scolarité grâce à la putain de générosité de Toy Toy. Qui du coup encule TN, qui lui avait offert la possibilité à Double Saut, Clean Win, Capt, Real Dose et Anto leurs droits de scolarité. Merci, vous êtes des monstres. Du coup, Toy Toy, c'est à toi. Quelle map ? Theme Park STP. Eh ben voilà, on partira sur Theme Park parce qu'il a décidé. Et c'est comme ça. Ok. Du coup, après, pour 20 droits de scolarité, je fais un gros truc de fils de pute. J'appuie sur Shuffle juste au milieu. Enfin, 11 droits de scolarité. Exceptionnellement, c'est les promos. C'est vous qui voyez. Je les nique tous parce qu'ils ont tous préparé leur petit truc sur le côté, ces fils de pute. Et ça fait des jours et des jours qu'ils disent « Ouais, j'ai envie de jouer avec toi. » Franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble. Ça, pop, 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 ça suce des phallus, là. Ok. Je peux appuyer sur Shuffle. C'est vous qui décidez. Hein, pas encore. Ok, d'accord. 12 subs pour Theme Park. Ah, il y a Itien qui vient d'offrir 10 droits de scolarité. Franchement, je peux pas me permettre du coup de ne pas appuyer sur ce bouton. Hein? Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Merci pour Dadou, Kamak, Sein, Flo, Pichelle, Roswell, Solofi, K, Turnizy et Jokes qui viennent de se faire payer leurs droits de scolarité grâce à TN. C'est un monstre. Et merci, ils viennent du coup de payer le 11e qui me permet d'appuyer sur ce bouton. Et j'en ai rien à foutre, ça va foutre le bordel dans la prod. La prod va me détester. Ils vont me dire oui, alors je trouve pas ça normal et tout et tout. Et il y en a 1, 2, 3 qui vont venir me voir en me disant non, franchement, moi si c'est comme ça, je joue pas, j'avais envie de jouer avec mon pote. Alors que lui, bah du coup, Neiza, c'est un anagramme, donc j'avais pas trop envie de jouer avec lui, tu vois. Neiza. Monster X non plus. Mais je vais quand même les enculer, j'en ai rien à branler parce qu'on m'a payé. Et quand on me paye, je fais. Shuffle, bam, vous démerdez. Voilà, c'est vos nouvelles équipes. Désolé, hein. C'est à prendre ou à laisser. Non. Ah, c'est comme ça, c'est le shuffle. Ils ont mis un gros bouton shuffle en plein milieu, j'avais envie de l'utiliser une fois. Ouais. Comment ça, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Neiza ? Oula ! Eh, t'es pas content, Neiza ? Qu'est-ce qui t'arrive, là ? Oh putain, il avait vraiment envie de jouer avec son pote. Hein. Taylor, c'est son vrai pote, tu vois. Neiza en PLS. Bon, lance. Eh, hey, Archery, tu niques ta mère, toi. Merci, TN, pour Dadou, Kamak... Sane, la légende, Flo, Pichelle, bah je l'ai déjà dit en fait. Merci, t'es un monstre, TN. Merci Toy Toy, vous êtes des monstres. T'es méchant, Six, à mort. Ah ouais, bien sûr. Vous faites la tête ou pas? Ouais. Moi, de toute façon, je connais personne, ça change pas grand chose à ma vie. Ouais, mais t'es tombé avec Artaïk, mon gars. Donc franchement, 11 droits de scolarité, je te fais un shuffle. Hein. Franchement, t'es pas vraiment tombé avec le meilleur. Ah ça va, je suis un bon étudiant, je paye depuis plus de 48 mois. Oui, d'accord, t'es un bon étudiant, mais sur Rainbow Six, bon, t'es pas la carpe la plus oxygénée de l'étang, quoi. Et y'a Nano à côté, hein. C'est une belle expression, le mien. Il gueule tout le temps, Arthur. C'est vrai. Bon, je lance. Bon courage. Yes. GL. Ah, vous avez l'amour de vivre, ça fait plaisir. Merci TN, en tout cas, vous êtes des monstres les mecs, vraiment. Quand seront les prochains Salty Duels ? Eh, l'autre. Vas-y. Je m'en bats les couilles, ça reste comme ça.
Non, je m'en fous, je le mets comme ça, c'est bon. Eh non, mais l'autre, c'est quand le prochain Salty Duel? Je sais pas. Je sais pas. Eh? Attention, hein, si tu regardes bien, il y a peut-être les informations qu'il faut là où il faut. Hein, hein? Et du coup, c'est quand? Ben, c'est quand vous avez payé, bande de fils de pute. Ok? C'est quand le truc jaune, ça n'arrivera pas, en fait, si ça va pas jusqu'au bout. C'est le principe, en fait. Voilà. Si ça va jusqu'au bout, je vous donne la date. Si ça va pas jusqu'au bout, je me casse en Corse, les mecs. Merci TN, voilà, d'avoir compris. Et de payer les droits de scolarité à GIPN. What the fuck, les mecs, il y a le GIPN, faites gaffe. GIPN Théo du 13, EasyCom, Clemskiller, Soulax et Vangito, qui sont tous payés leurs droits de scolarité parce que TN, c'est un mec sympa. Et que vous, vous êtes un peu des trous du cul. Attendez. Ouais, on va mettre ça. Allez! C'est parti! On peut avoir le grand écran? Non, ferme ta gueule. Je préfère anticiper parce que, bon. Eh, 10 ans de Teachers déjà. Pourquoi la Corse? Parce que j'ai envie d'aller dans un endroit de France qui sent la pauvreté et l'accent pauvre. Voilà. J'ai envie d'aller en Corse pour pouvoir relativiser en revenant à Nantes en me disant putain la vache, je suis quand même bien ici. Heureusement, il n'y a pas des mecs qui parlent comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me permet d'être mieux vivre ma vie en fait. Aller en Corse, c'est comme trouver une douche alors que tu t'es pas douché depuis 5 jours, tu vois. Merci assis pour les 2 euros de frais de scolarité. Carbo ou bolo? Carbo, mais carbo à la française. Avec de la crème fraîche et des lardons. Parce que les vrais carbo, bon, il y a ni crème fraîche ni lardons. MDR, Nantes, c'est pas mal non plus. Comment ça, mec? Tu viens du Finistère. Tu viens du Finistère, que du gros 29. Ça m'étonnerait que t'aies mis ton âge. Donc tu t'appelles que du gros 29. Tu viens du Finistère, frérot. Finistère. Je te traduis Finistère, fin de la terre, quand même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À côté, il n'y a plus rien. Bon, on va voir qui. Allez, Artaïque, ok. Je suis en études à Nantes. Je parle pas pour rien, TKT. Bah, évidemment que t'es en études à Nantes. T'allais pas être en études à Brest, mon gars. Il n'y a pas d'école là-bas. Fallait forcément que tu viennes dans la ville la plus développée de Bretagne, j'ai envie de dire. Hein? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hein, Jean-Claude? Forcément, t'es venu dans la plus belle ville de France. Bon, ça drone déjà du côté d'Artaïk, c'est pas trop mal. Merci XKGFX pour les 22 mois de frais scolarité. Tu me tords de rire, continue. Ça me fait plaisir. Monster.x, prochain round? Je sais pas. Va sur Telo, c'est un semi-pro. Ouais, d'accord, ok, Snyzer. Mec, je vais t'expliquer un truc, mon loulou. À partir du moment où t'as FN dans ton pseudo, en règle générale, chez le gaming, ça veut dire Fortnite, tu vois. Donc déjà... À peu près toutes les considérations que tu pourrais avoir sur Rainbow Six, je les roule en boule et je me les corde dans la nuit, je me les carre dans l'anus, tu vois. Hein, parce que je me dis, bon, t'as commencé le gaming avec Fortnite, tu vois, ça fait de toi déjà, à mon avis. Tu vois ce que je veux dire? Pas le plus smart, quoi. Donc non, je veux pas aller le voir. Ah ouais, je vous avais dit que ça allait être salé, les mecs. Merci, Michoko. Non, merde. MC Choco, Chico. Pff, rien à voir. D'avoir offert la possibilité à Mendro, Shadiz, Maïs, Adik et Azurs leur droit de scolarité. Un monstre. Envoyez plein de GG pour Chico, TN et tout le monde. Et le drone, s'il se fait défoncer, il prend 2 sur 20. Je le vire. Je le vire du campus. Ok, la décale est pas dégueulasse. Hein. Oh là 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 là. Il s'est keblo.
Ah là 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 là. Ah il s'est keblo le mec. Quelle note là pour Artaïk là. Il a droné, il a fait le tour, il a pris son temps, il s'est pas inséré comme un gogolito, etc. Mais une fois après, quand il a commencé à sentir l'odeur de l'os là, il s'est mis en mode Labrador, je vais tout droit et tout machin. Et voilà quoi, zéro situational awareness. C'est chaud. C'est chaud quand même. Ah là 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 là, franchement c'est chaud. On va aller voir quelqu'un qui fait des kills parce qu'autrement ça va faire mal. Dépêchez-vous, vous avez pas longtemps pour faire. On va aller voir. On est allé voir un attaquant. N'oubliez pas les surveillants qui sont dans le chat de prendre les personnes qu'on est allé voir. C'est ça, je vais oublier. Et il y en a un, il va faire « Ah mon professeur !» Bah, on le fait depuis 5 ans, hein, vu que c'est le Teachers numéro 144, enculé. Hein. Voilà quoi. Ah mais je savais pas, désolé, c'est la première fois. Ok, vous avez décidé de mettre la note de 4. Bon, ouais, j'ai mis 3. Ouais, bon, voilà quoi, on va pas non plus... on va pas tergiverser sur la qualité de son intervention, qui était un peu nulle quand même. C'était ok quoi. C'est exactement ce qu'on attend d'un joueur gold, voilà. Là, on est repassé au-dessus des 2000 étudiants. Et ça, c'est incroyable, dites donc. Merci les amis. En vrai, ça n'a rien d'incroyable, mais bon. Je suis obligé maintenant. Voilà, quoi. On va aller voir qui ? On va aller voir... Neiza. Voilà. Vatello. Sniker. Et Sneaker, là. Sneaker. T'as un prime. Il y a marqué Fortnite dans ton pseudo. Laisse-moi deviner. Tu le donnes à qui ? Hein ? Gotaga ? Dogby ? Squeezie, Maxime Baggy, Sneaker, allez vas-y, Sneakers, pardon. À qui tu le donnes, ton prime? Sois sérieux. Amourante? À toi? Bah non, je vois bien qu'il te donne pas à moi. C'est Maxime Baggy, les amis. Ça se prononce Baggy, voilà. What the fuck? Qu'est-ce qu'il vient de faire, là? À toi, le mois dernier. Et à Stay, ce mois-ci. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il coupe des... Arrête de bouger dans tous les sens, frérot. Tu vas me donner le mal de mer. Arrêtez de faire des trucs. Arrêtez de vous prendre pour des... Arrête de bouger! Mais le mec, mais c'est Cyril Hanouna ou quoi? Il est sous coke! Ouais, d'accord, ok. Ok, ouais, vas-y, transition, bam, bam. 0 fois le crosshair était au bon endroit. C'est... Tac, t'as vu? J'étais. Franchement. Kiro, droite, gauche, haut, bas. Ah ça c'est propre, voilà. Oh! What? La VAR là quand même. C'est chelou ce move là. Bon, il a le charme de la Salty Academy, hein, ce qui est pas mal déjà, ça lui donne un point d'avantage. Bon, c'était pas trop mal. Non, en fait, y a rien, quoi. Hein? Nul. Alors, c'est chelou. Comment on voit le X-Ray? Va voir Tello, STP, STP. Sneaker, écoute, tu prends un sub. Un seul sub. Tu te subs à la chaîne et après, peut-être que tu pourras demander des trucs, d'accord? Ici, c'est comme ça, ok? Les gens qui payent, eh bien, je leur rends, en fait, tu vois? C'est, hey, c'est donne et Dieu te le rendra. Aïe, c'est moi.
C'est moins Dieu, les mecs. Quelle note, du coup, pour Neyza, là, qui nous a fait un truc un peu pourri au début, qui confond forcément un peu style et efficacité, le pire truc qui puisse arriver quand on est jeune sur le jeu. C'est-à-dire que je sais, à sa façon de jouer, qu'il a pas plus de 23 ans. C'est ouf, hein. J'en suis certain. Je pense qu'il a 16, 17, 18, quoi. 18 max. Dans sa façon de jouer, là. On dirait un chiot qui a vu un chien qui a vu un truc qui queen, là. Ça part dans tous les sens et tout, alors que ce qu'on veut, c'est de l'efficacité, tu vois. On veut du liquefac, tu vois. C'est propre. Ok, on va aller voir qui, là. Vous avez mis combien? Allez, je vais mettre ça, moi. Vous avez mis combien? Ah ouais, vous êtes des fils de pute, en fait. Vous avez mis 2, mais j'ai mis 5,5, moi. Ah, faut pas déconner, quand même. Il confond un peu vitesse et précipitation. Mais c'est quand même pas... C'est pas mauvais. Faut juste qu'il se calme. Il regardera le machin et il se dira « Merde, comment est-ce que je peux être plus efficace la prochaine fois ?» Bah, arrête de faire des moves inutiles. D'abord, on maîtrise les moves. Ensuite, on rajoute la vitesse. Mais sans maîtrise, la puissance n'est rien, comme disait un grand philosophe. Marco Pirelli. Ah, ça, c'est encore une rêve de vieux. Personne ne l'a, de toute façon. Il n'y a que Yunim qui l'a parce que... Hey, tu savais que Pirelli, il faisait des semelles de chaussures. Ah ouais. T'es sur le même. Excelsior, on l'a jamais vu. Ah, ça va, on peut aller voir Excelsior. On va voir s'il a, il a level up depuis les héros de l'EHPAD. Bon, il a toujours le crosshair trop bas. Au moins, il reste sur site. 1.5, MP5. J'aime bien. Bon, là, crosshair placement, tu te prends internet, hein, si le mec il push. Hein. Ah ouais. Il sait pas trop où regarder. Ça veut dire mauvais situational awareness. En règle générale, bon, on regarde où on regarde ses copains et puis bah voilà quoi. Là, il prend une ligne sur rien du tout, en fait. Ce qui est un peu con. Ils sont tous sur site, donc on va pas voir grand chose. Et il sait pas où se placer. Et le problème de ça, c'est que bah, les autres en face, ils vont forcément ouvrir des trucs. Et là, souvent, quand on commence à ouvrir des trucs avec une personne de ce type-là, après on va être en mode « Mais on est beaucoup en fait sur le même bomb site !» Et vous allez voir, si en face ils ouvrent le truc, ça va être des lapins de garenne dans un terrier, quoi. One tap. Là, il va pas prendre la revenge de son pote. Bon, voilà, il prend un kill facile. Merci infiniment, Rect, pour les 3 mois, vous êtes des monstres, les amis. Et là, il est en situation de... Ah non, 2v1. Le crosshair placement est trop bas. Trop bas encore. Là, c'est les nichons. Ça se fait plus de s'allonger. Bon. C'est ok, il a fait le taf. C'est ok, il a fait le taf. Ça va, il a fait le taf. Mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. Quelle note pour Excelsior, fuck. Je vous laisse, je vais manger. Ouais, mais Zago, tu sais, tu peux... On s'en fout, hein. C'est pas parce qu'il y a un chat que t'es obligé de nous dire « Les gars, je reviens, je vais chier, tu vois. » Enfin, moi, je reste là, en fait, hein, tu vois. Plus 1 pour Wamai. Le but du jeu, c'est qu'on ait les mêmes notes, les mecs. Hein. Moi, c'est bon, elle est déjà notée. Et le but du jeu, c'est que vous notiez tous. Hein. Faut appuyer dans le chat. Hein. Ouais, l'autre, il croit, on va mettre pause, tu sais. J'en ai marre de parler comme un jeune. Et je sais que je vais faire mon vieux con, les amis. Mais il croit qu'on va mettre pause. Depuis quand, à partir de quand, est-ce qu'on a merdé pour avoir la flemme? Et à chaque fois, après, le croire, par exemple, il croit on va faire ça. Il croit on est son pote.
On n'est pas obligé de dire que long, tu vois. Mais con, quoi. Il croit qu'on va mettre pause. Non ? Je sais pas. Hein. Ok, vous avez décidé de mettre 4 avec pas mal de 5. J'ai mis 5. Ah, il avait le charme de la Salty Academy aussi. Donc il a un point de plus. Hein. Ok, on va voir qui. On va aller voir un mec qui fait des kills. Neiza, non, Craze, tiens. On va aller voir Craze. Merde, on l'a pas vu en début de round. Ok, Craze, il a vu 3 photos de... Il a vu 3 vidéos de Bikini Body et de... Ouh, tu dis, ouais, franchement, regardez, je vais me mettre là. Bon, il regarde les cams, ça va. Oui, c'est bien. Il a été hacké, c'est ça? Il y a quelqu'un qui veut expliquer à Craze qu'il faut cliquer sur les ennemis hein, quand on les voit ou pas hein? Non, je sais pas. Enfin, bon. T'as le temps de réaction quoi, et après on dit ouais franchement 6-4, tu trouves pas que tu perds un peu de réflexe quand tu vieillis? quand je vois les jeunes là, je me dis ah non c'est bon en fait. Il est en clutch. Oula, il commence à... il sait pas où se mettre. Ça va, le placement est pas trop mauvais. En revanche le laser, eh ouais mec. Ouais bah quelqu'un va le voir à un moment et tu vas dire mais comment il savait que j'étais là? Oh là là! Oh là là, Craze! Oh là 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 là! Mais non! Mais à partir de quel moment? Mec, c'est le sieur derrière, il fait quoi en revanche là? Il est en train de faire des kills, les doux, là? Ah, les gars, je crois que Craze. Je crois que Craze, il a pas la lumière à tous les étages. Mais non, mais... Mon cut, il est pas passé. Wesh. Je vous le dis avec la voix d'Excelsior. Craze, bon, il avait mis Aruni. À des endroits à peu près approximatifs. Bon, ça passe en soi, tu vois. Les Aruni passent, il a dû mettre des fils barbelés. Ou peut-être une caméra blindée, je sais pas. Mais bon, Craze, il faut que t'arrêtes de dépenser de l'argent dans les skins. Hein. Prends plutôt un coaching. Ah mais c'est vrai, à un moment les mecs... les skins ça va pas vous donner du... Tu vois? Ça va pas vous donner de la street cred. Hein. Vous êtes prêts ou quoi? 3, 2, 1... Ah, vous avez mis 1, mais vous êtes des fils de pute. Il y a que 11 personnes qui ont voté, on est 500 là. J'ai mis 3 quand même, il avait mis des Aruni, le mec, il a pris Aruni. Pas comme s'il avait pris Vigile pour faire sa merde. Putain, les mecs, on va pas être en phase ce soir. Si t'es plus fort avec les skins que tu achètes sur code. Oui, d'accord, ok, mais on est en train de jouer, on est en train de parler de jeux vidéo ici. Ok. Ici, on est entre personnes qui parlons de jeux vidéo, tu vois ce que je veux dire? On va pas parler de code, tu vois ce que je veux dire? Autrement, on commence à se parler de tout, tu vois, d'Adibou, de... Voilà, quoi. Code, c'est quand même un jeu où tout est inventé pour faire en sorte que les gens qui sont nuls au FPS aient l'impression d'être bons. Ok, il est peut-être temps que vous commenciez à comprendre que bah du coup, de facto, ça fait de ce jeu un jeu pas compétitif du tout en fait. Je veux pas me la péter, hein, mais là j'ai fait un sans faute avec tes choix à 6. Ouais, mais tu te la pètes un peu quand même. Reste humble comme moi, s'il te plaît. Hein. On n'a pas déjà vu Naya. Merde, personne ne me le dit. On va aller voir Monster X, les mecs.
Je sens qu'il va faire un gros, gros round. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce fils de pute? Il joue avec un joystick! Oh là là! Oh là 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 là! Y'a rien qui va! Tu vas pas le regarder pendant 7 heures, mon gars! T'es pas spotter! Tango Tango Charlie, on a une cible à 25 mètres devant moi là qui arrête pas de bouger. Et là, je tire de façon approximative. Tire de suppression! On m'informe qu'il joue avec une manette de Xbox 360. Bon, au moins il a pris OSA. Déjà, en règle générale, les gens qui prennent OSA direct... Non mais moi j'aime bien jouer OSA. C'est les gens qui aiment bien Rainbow Six, mais qui sentent un peu la croquette. Bon, il a fait un kill. Non mais moi ça me dérange pas de jouer montagne. Ah ouais, non. Tu peux pas prendre Yana, s'il te plaît? Non, franchement, Yana, je suis pas un. Moi, je suis un joueur support comme Siskat. Non, frérot, t'es pas un joueur support, t'es nul. Pardon. Je suis odieux parfois. Allez, c'est parti. Hein. Combien vous mettez du coup à. Jean-Michel, là. Comment il s'appelait déjà? Monster X, bah il a mis OSA, il l'a mis au bon endroit, il a spoté, etc. Les mécaniques ne sont pas très bonnes. On sent que c'est un joueur qui a envie de faire bien les choses et il s'applique, il respecte le jeu. En revanche, Rainbow Six, c'est un jeu où plus ça va, plus le temps passe, plus les mécaniques prennent le dessus par rapport à tous les autres éléments du jeu. Donc il faut absolument bien gérer son aim et surtout... les mécaniques de déplacement clavier. Et là, on sent bien que c'est pas maîtrisé. Et donc, du coup, bah voilà. J'ai mis ma note. On va aller voir qui. Excelsior, on l'a déjà vu. On va aller voir Deadwiz. Allez, Deadwiz. Ok, 3, 2, 1. Vous avez mis 4. Ok, bon, j'ai mis 3. On est à peu près d'accord. À peu près. J'avais une question sur ton site de coaching. Il y a écrit PC uniquement. Il y a zéro possibilité de faire un petit virage sur PS5, please. Il a donné 23 subs aujourd'hui. C'est pour ça que je réfléchis. C'est pour ça que je réfléchis, ok? Non. Merci infiniment Bloyfeld, nouvel étudiant du campus. Merci Rect pour les 3 mois. Merci Waffle Marmiton pour le fait d'être un nouvel étudiant. T'es un monstre poulet. Non, les amis. Pff. Les gars, vous pouvez pas me demander ça. Vous pouvez pas me demander ça, c'est trop compliqué pour moi. Est-ce que vous demanderiez à un mec comme Pep Guardiola... Je voulais faire une blague horrible qui passera jamais sur Twitter. Merci TN d'avoir offert la possibilité à Corben Salad ses 23 mois de frais de scolarité. Allez Six, tu en aiderais plus d'un STP. Mais j'ai pas envie de vous aider les amis, ok?
Moi, je suis un joueur de... Tu vois, je suis un coach de foot professionnel, tu vois. Je vais pas faire des débutants. Oh fuck. We're good here. Argus online. Oui, voilà, c'est comme si Guardiola coachait des joueurs de NBA, c'est exactement ça auquel je pensais. Ouh là là. Twitch en sueur. Oh putain, je rigole de mon humour noir. Allez, c'est parti. On n'a pas regardé ce qu'il a fait d'Edwis. Oula. 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 On va rester sur lui. On a du potentiel. Ah donc, si un joueur bronze PC vient te voir, tu le coaches pas. Mais les gars, bronze PC... Bronze PC, les gars, ça veut déjà dire qu'il est déjà au-dessus de... Bah, de champion PS5, quoi. C'est une suite, en fait. Champion PS5, bronze PC, tu vois? C'est comme le plus haut rank. Le plus haut rank de League of Legends, en dessous, hop, tu passes au-dessus et t'as le plus bas rank de League of Legends en Corée du Sud. C'est pareil. Tu vois ou pas? Vous voyez? Eh, c'est important de voir la nuance quand même. Ah ouais, c'est simple. Non, tu peux pas dire ça. Mais pourquoi est-ce que vous voulez vous améliorer sur console, les mecs? Il est là, le truc. Pourquoi? Vous avez pas de compétition sur console, les mecs. C'est cher, un PC. Vous avez pas de compète. Pour s'améliorer sur console, il faut passer sur PC. Bah ouais! Parce que c'est trop cher un PC. Mais arrêtez les mecs, on a déjà fait le calcul et tout. Bon, si vous êtes encore sur votre PS4 là, bon ok les frérots, mais bon après, j'y peux rien. Mais si vous êtes sur une PS5, honnêtement, au bout de 2 ans, votre PC il est amorti. Ah les mecs, vous me faites marrer. Ouais, mais franchement, le PS5, ouais, mais l'écran qui va avec la PS5... Prenez pour des jambons ou quoi. Ah, dites plutôt que vous avez la flemme, tu vois. Vous avez la flemme d'avoir un bureau. Ok, là je comprends, tu vois. Parce qu'il faut une pièce pour le PC. Ça, je veux bien l'entendre, tu vois. Et dites-vous plutôt que, bon, peut-être que madame ou monsieur qui porte la culotte voudrait pas que vous ayez un bureau, c'est pour ça. Je pense au final avoir être arrivé à cette conclusion que la PS5 est un rassemblement de jeunes hommes et masculins. Make sense, je veux dire. Réfléchissez bien. Non chérie, franchement, il y a les couches à payer. Non, et de toute façon, tu vas le mettre où ton bureau? Tu vas le mettre où? Eh ben voilà. Eh ben tu fais comme Stéphane. Eh ben tu joues sur un grand écran. Eh ben je m'en fous. Voilà. Non, mon chéri, s'il te plaît. Rainbow Six sur PC, c'est mieux. Non. Ah, Deadwiz. Ah, Deadwiz, il est con comme un cactus, le mec. Je joue à ma PS5 sur un bureau avec un 244 Hz. What? Mais alors ça, me Cohen. Alors pourquoi tu viens pas sur PC, mec? Alors t'es, toi t'es vraiment... J'ai jamais compris les mecs comme toi. Hein. Les mecs, ils ont tout le setup pour avoir un PC et ils sont sur console. Avoue ta peur du clavier souris, TN. Avoue ta peur du clavier souris. J'y connais rien. Point d'exclamation flow up, mec. TN, revends ta console.
Je vais prêcher un nouveau. Vous avez vu comment PC Master Race? La religion un peu? Revends ta console, TN. Je te promets, TN. Si tu revends ta console, je te coacherai. Sur PC. Ok, merde, du coup, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Pff, attendez deux secondes. 5-2, merde, ils font quoi les autres? Oh, en plus, en défense. Revends ta console, passe sur PC, frérot. Franchement, regarde sur Discord. Hein, regarde sur Discord, demande sur Discord. Va voir Flowup, franchement. Non, mais vraiment, c'est vraiment des. Je mets pas en avant des marques de merde. C'est pour ça qu'il y en a pas beaucoup hein, autour de moi, tu vois. Voire, il y en a pas du tout, quasiment. Donc, va voir Flowup. Vous verrez, les PC, ils sont vraiment pas mal. Au moins, tu sais que, bon, voilà quoi. Ou encore mieux. Mais bon, souvent on a un peu la flemme. Donc je vois à peu près la personne que j'ai un peu en face de moi. Quoi. Mais encore mieux, renseigne-toi sur comment faire un PC et montre-le toi-même, la vérité. Mais bon, j'ai pas envie de commencer à faire peur parce que souvent les gens vont après vont dire on va aller voir Taylo, tiens. On ne l'a pas vu lui. Honnêtement, si on peut monter soi-même son PC, il n'y a rien de mieux niveau prix. Eh ben, ça, c'est une erreur maintenant. Moi, j'ai toujours été un grand... Moi, j'ai toujours monté mes PC. J'ai dû en monter, allez, 50 dans toute ma life. Tout le temps, monter mes PC, tout le temps, ok? Le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, on se retrouve avec une économie un peu bizarre, avec les matières premières qui ont augmenté, etc. Qui fait que, de temps en temps, on peut avoir des constructeurs qui peuvent négocier et assembler, au final, des PC... Et avoir des PC qui sont tout assemblés, qui sont plus intéressants que des PC qu'on fait soi-même au final. Et on peut se retrouver par exemple avec un PC Omen qui soit plus intéressant et que en prenant indépendamment toutes les étapes qui sont... Je te donne la permission. Oh là là. En prenant tous les composants qui sont à l'intérieur du truc, tu vas au moins cher. Tu fais vraiment, tu vas checker tous les sites. Tu regardes exactement la même marque, les mêmes trucs, les mêmes bidules. Tu prends la même carte graphique, le même processeur, etc. machin, et t'arrives pas à avoir le prix que eux ils ont. Parce que eux parfois peuvent négocier des trucs en disant hey, « Eh les gars, on va vous prendre sur toute la France, on va vous prendre 16 000 processeurs. » Bien sûr qu'ils vont négocier des prix que tu pourras pas négocier. Donc attention parfois, je dis pas que c'est toujours faux, je dis pas que c'est toujours vrai, mais attention parfois avec le mythe qui était vrai par le passé, de dire si on le monte soi-même, what the fuck? C'est qui lui? Si on le monte soi-même, what the fuck? Ouais, c'est ça. En plus, il a le charme de la Salty Academy, c'est un mec bien. Bon, ses chez Copic sont pas au point. Mais on sent la volonté d'être bon, lui. Eh, merci pour les 50 euros. Envoyez plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît. Spammez-moi ce fucking chat, j'imagine que c'est Nano. Pour que tu t'achètes un nouveau bureau. TKT, je te donne la permission. What? Quoi? Mais mon bureau, il est incroyable, mec. T'es ouf ou quoi? C'est Nano qui a fait ça ou pas? Je t'ai dit, c'est un semi-pro. Mais semi-pro, ça veut rien dire, mon gars. Ma mère, elle est semi-pro au tarot, ok? Bon. Ça veut rien dire, semi-pro. Ça veut dire, on te paye des sandwichs et ton déplacement en LAN. Bon, génial. Tu vois ce que je veux dire? Bah, tu es émasculé. Ah bah, moi, c'est... Voilà, quoi. Attends, merci Nano, c'est toi qui a fait ça? Merci, envoyez plein de GG, plein de cœur pour Nano, s'il vous plaît. Spammez-le, faites point @nano et en avant. 6-2, du coup Taylor, qu'est-ce qu'il a collé là avec son vigile? Bonne occupation du top, il a fait perdre du temps, pas mal. Pas mal, et puis la tête est incroyable. Bon crosshair placement, on sent qu'il a envie d'être sérieux. J'aime bien. T'as mis quoi du coup? Attends, TN, il a mis quoi?
Je sais pas vraiment car j'étais CS sur PS4, hein, mais sur PC surtout c'est les configs, etc. C'est ouais, la facilité sur PS5. Après, jouer clavier souris, c'est super bien. Ouais, mais TN, la facilité sur... What the fuck? Attends, j'arrive, Douglas. La facilité sur PS5. Oui, d'accord, mais la facilité de quoi? Faut arrêter. On n'est plus sur Windows 95. On n'est plus sur Windows 98, mon gars. On n'est plus... Là, on n'est plus en train de faire... Putain, la vache, va falloir que je trouve des drivers en Roumanie. Ça va être compliqué. Va falloir que j'aille au PMU pour avoir l'update du dernier jeu et tout. Ouais, on est sur Windows 10, de préférence. Garde le 10, tu vois. Franchement, ça tourne nickel, tu vois. Tu vas sur Steam, ça va. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est qu'au final, bon, si t'as vraiment envie d'avoir un vélo, si t'as vraiment envie d'avoir un tricycle, eh ben, garde un tricycle, tu vois. Mais il y a un moment, faut évoluer, en fait. Et derrière, t'as un vrai vélo. Donc forcément ça fait peur, il a pas trois roues, donc tu peux te casser la gueule avec un vrai vélo. Mais le truc c'est que t'as beaucoup plus de possibilités avec ton vélo qu'avec ton putain de tricycle quoi. La PS5 c'est le tricycle. Sorry. Et du coup la note. Et les exclus. Voilà. Si en revanche vous me dites, il y a les exclus, ça c'est le seul truc, la seule raison pour laquelle on peut rester sur PS5 c'est les exclus. Hein. C'est la seule raison valable. 7 j'avais mis moi. Vous avez mis 8, vous êtes des monstres. Donc je vais pas refaire le débat, mais en tout cas, bas les couilles de... J'ai pas envie de relancer le débat PS5, PC, gnagnagna, je m'en bats les couilles en fait, ok? Mais si tu veux t'améliorer sur Rainbow Six, et tu veux que je te coach, viens sur PC, et je le ferai avec joie quoi. Et là on pourra discuter. Mais à la manette, moi je ne crois pas à ce truc de... Là tu viens voir un coach de natation, et tu lui dis au final, bah j'ai vraiment 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 envie de m'entraîner avec des bouteilles et des palmes. Mais mec, je suis champion du monde d'apnée en fait. Tu vois? Bon, il y a des palmes en l'occurrence quoi, mais pas de la monopalme quoi. C'est ça, on est peut-être dans le haut, mais au final, c'est deux disciplines totalement différentes quoi. Donc tu veux que je te dise quoi? Je vais avoir l'air d'un gugus si je vais t'expliquer que gna 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 avec en fait, il vaut mieux que tu te mettes comme ça avec ta manette. J'ai pas envie moi. J'ai pas envie de mentir. Donc j'ai pas envie de faire semblant, d'expliquer à des gens, de leur dire « Ouais, avec la manette, franchement, je te conseille de 2 dixièmes, nanana, nanana. » J'en ai rien à foutre, quoi. C'est un device, pour moi, il est pas du tout... Il est pas adapté au FPS. Et j'ai pas envie d'être hypocrite et de faire semblant, tu vois. Passe sur PC, et franchement, ça me fera plaisir de te coacher. Pardon. PS5, Xbox, même combat. En fait, c'est pas le problème. Une fois de plus, c'est pas le problème de la console. Moi, j'aime bien les consoles. C'est le device. C'est la fucking manette qui est pas adaptée au FPS. Merci Alpacino pour les 6 mois de frais scolarité, Douglas pour les 34 mois et encore merci Nano le monstre qui a offert 50 balles quoi. Merci mon poulet, vraiment. Encore un mois de plus, comment ça va mon Six? Si tu passes une bonne journée, moi tranquille plus que quelques jours avant mon départ en OPEX en Roumanie. En Roumanie? En OPEX en Roumanie? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Assurer la sécurité à la frontière? Et si quelqu'un paye le trip, mais pour que tu le coaches à la manette, t'acceptes? Pff, non, en fait. Mais non, tu veux que je lui dise quoi? Mais je vais le coacher, je veux bien le coacher sur le fait de passer sur PC, si tu veux. Ils font quoi, les mecs, en face, là? Ils sont 3v2, ils vont perdre. Jamais ils gagnent. Ah si, quand même. Allez, faut planter. Oh, hey. On était sur qui là? Merde, j'ai pas vu. Arrêtez de me déconcentrer. À chaque fois, vous me déconcentrez. Et du coup, je peux pas faire mon truc en fait. Je te raid 400 viewers et tu me coaches sur mobile. C'était mot. Mais mec, t'auras jamais 400 viewers sur mobile. Tu vois, sur Rainbow Six Mobile. Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, je dis ça. Et le mec, il va clipper. Dans 2 ans, Rainbow Six Mobile, ça va devenir un truc de ouf et tout. Il sera à Bercy et tout, machin. 6000 personnes et tout. Rainbow Six Mobile, le mobile, c'est l'avenir. Tu vois? Voilà, opération pour faire acte de présence en gros. Ouais, avoue que t'es dans l'effort spécial. Tu vas aller en Ukraine. En mode en loose day. Il me reste qui, les amis? Qui est-ce que j'ai pas fait? Taylor, c'était pas mal. Deadwish, on l'a fait ou pas? Deadwish, on l'a fait, ok. Allez, on va aller voir Supra Karma.
Bon, enfin, il a 4 kills supra karma. Craze, il est fait. Wazen, on va aller voir Wazen, tiens. Wazen, en plus, il prend une Yana, donc on a envie de voir du kill. On peut avoir le menteur pour le plaisir. Quel menteur? Si vous jouez à tous les jeux, prenez les deux. Vous aurez moins de soucis sur PS avec les jeux solo. Majorité des jeux. Non mais Kawid, l'autre. Excuse-nous Elon Musk. Il y a un souci d'argent à un moment, tu vois. Franchement, si vous avez un problème, prenez les deux. Vous hésitez entre essence et diesel? Moi j'ai une essence, une diesel. Franchement, essence pour les petits trajets et diesel pour les grands trajets. Kawid, putain. Tu conseilles quoi comme budget pour tourner entre 230 et 3, 220 et 300 FPS? Ah, c'est très précis. Entre 220 et 300 FPS? En budget? En PC? À l'heure actuelle? La tour? 800. Entre 800 et 1002, quoi. Ah, ça sent la fin, là. Aïe aïe aïe. Ok, je te tiens au jus. Après, mets ta faille, poulet. Et en avant. Et je te jure, je te coacherai. Oula, ça cheat. Mec, y'a quelqu'un qui te drone? Wazen, qu'est-ce que tu fais à nous montrer la déco, fils de pute? Personne te drone. T'es en full face check en fait là. Hop là, on t'a vu sur la cam. Ah oui, il y a une cam. Hop là, 3, 2, 1, t'es mort. What? Oh non, hey, Wazen. Wazen. Pff, ouais, Wazen, ouais, tu peux dire, j'ai joué. Hein. Wazen, franchement... Ouais, là-dessus, non, mais faut pas prendre Yana, là. Faut pas prendre Yana, hein. Franchement, les mecs, arrêtez de prendre Yana, les mecs. On aurait dit Nano. Ah ouais, j'avoue. Il a son casque à l'envers. Ouais, l'écran aussi, à mon avis. Mon PC, écoutez, genre 800, 900 balles. J'ai même pas vu ce qu'il a mis. Il y a 2 ans, je tourne en 244 FPS constant. Mais oui, franchement. Après, les prix ont pas vraiment baissé. En vrai, si tu veux te faire un bon PC à l'heure actuelle, franchement, tu prends de l'occasion. Je sais pas si ça se trouve de trop, mais tu te chopes un 9900K, tu te prends une petite 1080 Ti ou 2070, tu vois. Tu vas pas chercher la dernière... tu vas pas chercher les deux dernières références de chez machin. GG, les gars. Voilà, quoi. GG. Vous êtes des monstres. Non, je déconne, vous avez été quand même relativement nul à chier. Wazen, c'était quoi, ça, la dernière round, là? Wazen? Oui. C'était quoi ce dernier round en full face check là? Il fait de la merde. Tu te mettrais quoi comme note? Franchement, 0, hein. J'ai fait de la non, merde. Non, on peut pas mettre 0, mais je t'ai mis 3. Ça va. Et le chat t'a mis 3 aussi. Merci. Voilà. Vous partez pas en fait, c'est quoi la suite? On aime bien ce côté. J'aime bien être ici, moi. Moi, je m'amuse bien là. Ouais, moi aussi, on ouais, est bien là. On pourra pas une deuxième game, ça me chauffe. Hein. Ok, vous prenez tous un sub et vous avez le droit de rester. Vas-y. Ah. Me prends pas. Ouais. Bonne soirée. Hein. Mais vous êtes si pauvres que ça, les mecs. C'est chaud quand même, non? Ah ouais, ok. Ah ouais. Plus un bruit. Ok, d'accord. Je vois. Je vois le niveau de pauvreté. Je fais le record. deux secondes. Du coup. Mais non, normalement, vous n'êtes pas prévu. Moi, bon, je recrée. Allez, bisous. Merci d'avoir participé. Merci. Vous êtes nuls. Ciao.
Ah, je devais des petits mots d'encouragement avant de partir. Du coup, normalement, bah, j'attends la prod dans mes oreilles. Ok. Attendez, il y a Mary qui m'a envoyé un message parce que je lui ai envoyé un message de soutien ce matin. Mais lol. Ok. Du coup. Ah, mais c'était l'anniversaire d'Excelsior en plus. Ah, on savait pas. Bah, du coup, bon anniversaire, Excelsior. Franchement, t'as très bien joué. Hein. Vraiment incroyable ce Wamai là. Incroyable. On sent bien que t'as passé tes derniers mois après les héros de l'EHPAD. Pas du tout sur un jeu de type un showdown, quoi. Hein. Hein, voilà. Donc, envoyez plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît. Et Ice Revenge! Il manque pas un truc devant ton pseudo, petit fils de pute? T'as un Prime? T'es pas abonné? Et t'as participé? Ça va ou quoi? Et Craze? Ah ouais, ok, on en est là, la prod, ok. Ok, on invite tous les non-étudiants au final. Ok, ok, bah tiens, tu vas prendre un bon gros ban dans ta gueule. Et Craze, ouais, bah tiens, bah Craze, ouais, bah franchement, ça me fait plaisir de t'avoir mis 2 sur 10, mon gars. Non, je déconne, tu sauras pas, faudra regarder la VOD, elle est réservée aux étudiants. Hein? Il est passé chez un autre il y a 2 semaines. Et t'as été refusé? Non, mais ça, c'est ouf, hein. Attends, 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 attends. Ok. Du coup, merci Ice Revenge pour tes 10 mois de frais de scolarité. Bah, j'espère que tu te rachètes. Hein? Voilà, il y a intérêt. Et Craze, on t'attend? Mec, autrement tu prends un ban. Non mais c'est ouf ça. Et la prod, elle est où? Nom de Dieu. J'attends la prod dans mes oreilles. Ah voilà, on attend. La prod, Zerosk. T'as un truc devant ton pseudo. Hein, qui fait que faut que tu te mimes le cul à aller demander. Ah voilà, merci Tipeee. Il est passé chez un autre. Et votre prime, il a pas, vous avez pas intérêt à le donner à d'autres personnes. Lol. Yunim, j'ai vu un PC avec un CPU 4500 et GPU 6600 à 500€. Les prix baissent. Les mecs, à l'heure actuelle, c'est simple. Soit vous montez votre PC, soit vous faites point d'exclamation flow up, soit vous allez sur D-Labs. Cherchez pas. Remerciez-moi plus tard, ok? Voilà, je sais pas ce que ça donne, mais en règle générale, D-Labs, si vous voulez des trucs pas chers et niquer un peu plus la planète, allez-y. Voilà, remerciez-moi plus tard. Des PC, à chaque fois, il y a des trucs montés. Je fais « what the fuck ?» Et ça coûte rien du tout, quoi. Après, je connais pas les trucs qu'il y a dedans, hein, mais voilà. Mais qu'il a niqué sa mère, là. Cliquez pas sur ce lien de fils de pute. L'autre, tiens, regarde, il a pris 600 secondes dans sa gueule. Mon Prime est parti chez SkyTinly, pour autant. C'était marrant, merci pour cette game. Merci, Excelsior. Joyeux anniversaire. Envoyez plein de GG et plein de cœur et d'anniversaire pour Excelsior. Il a pris 10 minutes de ban, ce fils de pute. Les mecs. Ok. Regardez. Regardez. Je veux juste que vous compreniez un petit peu. Est-ce qu'on peut prendre 3 secondes pour essayer de comprendre la relation que j'ai avec Mary? Voilà le genre de message que je lui envoie.
Yo poulet, dis-moi, c'était juste un petit message comme ça, parce que de mon côté, c'est avec le mail de madame auquel j'ai répondu hier soir, du coup, via une vidéo de 20 minutes préparée sur un speech en 5 jours, quoi. Putain, ça doit être la vidéo la plus. Ça doit être la vidéo que j'ai la plus préparée de toutes les vidéos de la chaîne, je pense, lol. Bah, je sais pas, je suis un peu dans un mood meh, tu vois, en ce moment. Un mood pas terrible, quoi, un mood. Un peu sur la tangente. Et c'est quand on est sur la tangente qu'on se rappelle, bah, que voilà quoi, qu'on se rappelle. De temps en temps, tu sais, on est fort, je suis fort, machin, truc. Et je me dis, ouais, franchement, les personnes. Enfin, on a un peu tendance aussi pour se protéger à prendre les personnes qui sont un peu plus dans le mal de haut, quoi. Mais c'est justement quand on se rappelle, c'est justement quand on redescend un petit peu d'un étage qu'on se rappelle avec humilité. Non, mais j'ai mis en 1.5. En 1.5. C'est en 1.5. Tranquille, je parle pas comme ça. Que bah, parfois ça va pas. Et que c'est pas toujours simple quoi. Donc et je sais qu'en ce moment c'est pas un moment simple pour toi. Voilà, je tenais juste à te dire que ça peut paraître un peu gnangnan, mais indépendamment des engueulades, indépendamment des prises de bec, des trucs du passé et tout, tu fais partie de mes amis, tu fais partie des personnes qui comptent pour moi. Et voilà. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, bah écoute, tu sais où me trouver. Je pense que c'est aussi ça les vrais potes. Hein, c'est des personnes qui c'est pas des personnes qui tournent la page, c'est pas des personnes qui claquent la porte, c'est des personnes qui sont en mesure de dire bah aux personnes ça va pas, en ce moment tu me casses les couilles, et qui se disent vraiment les choses quand ça va pas, et au final qui sont toujours là l'un pour l'autre quoi. Plutôt que de tomber dans l'hypocrisie, de se dire ouais tout va bien, et au final de plus jamais donner de nouvelles. Voilà, donc si un jour t'as besoin de moi, bah, ou quand t'as besoin de moi, tu sais où me trouver, ok? Bisous. Donc, voilà le genre de message que je lui envoie, ok? Voilà. Voilà le genre de message qu'il me renvoie du coup dans la foulée. Donc du coup, on va regarder ça. Ok. Hein, bien évidemment. Donc, je lui envoie un petit cœur et lui me renvoie. Tu veux me rendre un gros service? Je suis en OP World of Warship. Et si les gens créent un compte via mon lien et font le tuto, je gagne des pépettes. Si t'arrives à motiver tes viewers, cœur. Mais lol. Et là, il vient d'arriver dans le chat, ce fils de pute, pour balancer son lien de son OP World of Warship. Ok ? Est-ce que vous vous rendez compte, hein, maintenant, hein, de l'énergumène, hein, avec lequel, auquel j'ai affaire, hein, parce que souvent, vous êtes en train de dire « Ouais, mais je l'aime pas, 6-4, etc. Moi, je préfère Mary. J'ai toujours préféré Mary et tout. » Et tous ces viewers, du coup, en règle générale, préfèrent Mary. « Ouais, franchement, il est plus sympa et tout, machin, truc bidule. » Ok ? Alors qu'en fait, le fils de pute, ça a toujours été lui. Le mec sympa, c'est Wham. Hein ? Ah, voilà. Non, mais je tenais à vous partager ça, tout simplement. J'ai le live de Mary et 6-4 en parallèle. Voilà. Il est passé, il a rien dit ce fils de pute, et il a balancé son lien World of Warship, un jeu sur lequel forcément il a fait une OP, ok ? Parce qu'il n'y a jamais joué avant, en plus ce gros enculé, hein, il doit être nul à chier sur le jeu, il doit être encore en mode franchement, je sais pas, est-ce que je vais prendre un destroyer ou est-ce que je vais prendre un croiseur ? Là il doit y avoir Rufufus, à mon avis, dans le chat, le seul mec qui connaît parce qu'il a joué à World of Warship il y a 2 ans, qui lui a dit franchement, j'ai joué il y a 2 ans, je te conseille franchement de partir sur les Français. Ah, tu penses les Français ? Moi j'aurais pris les Allemands et tout. Ok, il part sur les Français, il s'est fait dessouder la gueule. Non, pire, il a commencé à dessouder des mecs en face, il leur a pété la gueule et il était trop content. Et tout ça jusqu'à ce que Refufus44 dans le chat lui dise « Au fait, c'est des bots. » Voilà. Franchement, je clique. Je pensais que pas Mary aussi égocentré, hein. Genre le culot du message derrière quoi. Non mais je déconne, il m'a envoyé un truc avant. Merci pour ton message, ça me touche. Et oui, gna gna gna, meilleur ami, gna gna gna, suce-moi la bite. Ok, vous croyez pas tout, c'est internet. Hein, voilà. Mais en vrai, il y a quand même un peu un lien, tu vois. Là, il me dit, tu peux me rendre un gros service. Et sur WhatsApp, du coup, je vois le tu peux me rendre un gros service. Je fais, wow, ça doit pas aller dans sa life et tout en ce moment, etc. Hey, en ce moment, je fais une OP sur World of Warship. Tu peux demander à tous tes viewers de cliquer sur mon lien pour que je me fasse de la thune. Ah, putain, la vache, nom de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est ça. Hein? Il était sur le live ou pas ? Imagine, je fais le teach us. Non, le teach us, en fait, ça veut dire apprends-nous. Ici,
c'est le campus de la Salty Academy. Ici, nous sommes dans les vestiaires du campus de la Salty Academy. Et le campus du Salty Academy est ouvert pour les étudiants. Ah ouais, les frais de scolarité coûtent 3,99€ par mois. Baby Shark, t'es pas un étudiant, donc tu vas te faire enculer. C'est simple parfois la vie, hein. Ouais, vous voyez ce que je veux dire ou pas? En vrai, c'est un génie, à vous 6-4. Non, c'est un fils de pute. Mais tous les deux, vous êtes pareils, Nano. Vous êtes pareils. Nano, Mary, vous êtes les deux mêmes, sérieusement. Vous êtes les deux mêmes. Et c'est incroyable à quel point ça se voit dans votre gameplay. Vous êtes nul à chier dans les jeux vidéo. Voilà. Bon, ceci étant dit, le meublage a duré 5 minutes. Est-ce qu'il y a un moment, il y a un mec de la prod qui va venir pour me voir ou ça se passe comment, en fait? Voilà. Salut Aemo, comment ça va Aemo? Aemo qui m'a invité sur son bateau, quoi. Ouais, quoi. Il m'a invité où, ce trou du cul? Déjà, Aemo, tu sens qu'il est vieux, il envoie des SMS, quoi. Il a mon numéro sur WhatsApp, mais il m'envoie des SMS, tu vois. On dirait mon daron, tu vois. Je lui dis, oh putain, SMS, hein. Enfin bon, j'ai beau lui expliquer, message, WhatsApp, appel, téléphone. Non, il fait tout l'inverse, tu vois. Il m'envoie des SMS et il m'appelle sur WhatsApp à des endroits où il capte pas Internet. Ça, c'est mon paternel. Il voulait me faire découvrir les îles de Glénan. Ce qui est quand même une belle invitation pour me montrer son gland, à mon avis, je pense. Non, vraiment, je l'ai lu comme ça, moi. Ah, Emo. Histoire de se découvrir. Je te propose de te faire découvrir les îles des Glénans en bateau, histoire de se découvrir. Parce que toutes les nanas, là, elles parlent énormément de tous les mecs qui les harcèlent, etc. Sur machin. Et c'est vrai, c'est horrible, tu vois. Mais moi, j'ai ça, c'est pareil, tu vois. Est-ce que quelque part, Aemo qui m'envoie ça, qui me dit qu'il a envie de m'inviter sur son bateau, faire le tour des îles de Glénan et qu'on va se découvrir, c'est pas un peu une photo Dieppe, quoi, tu vois. Il veut me ken, le mec. Mais ouais, bien sûr, il a envie de me ken. Aïe aïe aïe, non mais c'est pour ça que j'y suis pas allé. Le mec il voulait visiter mon trou de balle, attends c'est ouf. Vous êtes quand même des mecs très chelous. Hein. Bien sûr qu'il veut mon huc. Aïe aïe aïe. Bon allez let's go là, la prod. Y'a de la prod dans le chat ou pas? Ils font quoi là, putain? Mais regardez ça, regardez ça les mecs. Regardez combien ils sont. Regardez là! C'est qui? C'est Tisma le blaireau. Et il n'y en a pas un seul qui vient! On est prêts, nous. Mais moi, j'attends la prod, en fait, pour venir me dire les pseudos et tout. Ça arrive. Ah, les amis, vous pouvez commencer à partir. Ah! Bonsoir! Bah, quand il s'agit de jouer, Deadwiss, hein, y a du monde, hein! Excuse-moi du retard, c'est juste qu'on a une personne qui ne répond pas et on doit choisir une personne qui est du même niveau que les autres. Du coup, je fais de mon mieux et normalement c'est bon là. Ok, mais pourquoi t'es pas venu me le dire avant? Parce que je sais pas en fait. Je pensais être bon dans le timing, mais pas du tout en fait. Mm-hmm. Du coup, tu m'excuseras du. Non, je t'excuse pas. Du coup, tu ne toucheras pas ta paye de bénévole. Ok. C'est un peu trop tard, quoi. Mais... Eh ouais. Alors, du coup... Attends, bouge pas. Vas-y, dis-moi. Alors, du coup, pour l'équipe A, tu devras ajouter Vibes, ok? Attends, deux secondes. Il faut que je crée le truc, en fait, parce qu'il y a un timer. West Europe, okay. On est bon. Create as spectator, on est bon. Ok. C'est parti. La paye, c'est une soirée avec Nano. Dommage. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Nano? Nano, pourquoi les gens riches ne sont jamais drôles? C'est ouf, hein? À quel point tous les gens riches sont pauvres, humoristiquement parlant, au final. Et qui est-ce qui est en train de... Dans deux secondes, ça sent le beefsteak chez WAM et je suis tout seul. J'arrive, je vais voir un truc.
Ça sent le cramé. Il y a trop des gens, ils font des barbecues autour de WAM. Ouais, donc Deadwiz, vas-y. Alors. Je laisse ajouter Vibes. Alors son pseudo, c'est ST. Ouais, c'est bon. Point V-I-B-E-S. C'est ça. Ah, je suis incroyable. ST.Vibes. Il est étudiant ? Oui, il est étudiant. Oui, c'est bien Deadwiz. Alors, et du coup, il y a qui d'autre autrement ? À ajouter en face, dans l'équipe Bravo, c'est Pingouille. Pingouille avec deux L à la fin et un point. Deux L à la fin. Peux-tu épeler Deadwiz P-I-N-G-O-U-I 2 L-E point. Ah oui, d'accord. D'accord, ok. Pingouille, ok. Eh bé. Merci Foga pour les 1 an, t'es un monstre poulet, vraiment. On invite Pingouille du coup. Ok, quoi d'autre Deadwiz ? Consulat, je l'ai pas TN. Salut ouais, Six, il y aura d'autres teachers au niveau gold cette soirée. Mec, t'es utilisateur suspect toi. Ok ? Toi t'es utilisateur suspect et t'es même pas étudiant. Donc je veux dire, toi t'es fiché S mon gars. Tu vois ce que je veux dire ou quoi ? Hein ? Je suis sub depuis un moment. Je suis le mec du tweet sur le goulag. Tu sais, le mec drôle. Non, ça n'existe pas, ça. Moi, je suis utilisateur suspect. Impossible. Bah, mec, tu prends deux lignes dès que tu parles. Utilisateur suspect, surveillance. Donc, t'es fiché S, je te le dis. Du coup, la map, les mecs. C'est simple, comme d'hab, hein, comme tout à l'heure. 10 droits de scolarité. Vous choisissez... Non, franchement, pas 10. 2. 2 droits de scolarité, 2 subs payés, vous avez le droit de la map. Ouais, ça va. Parmi les 9 officiels. Attention, consulat n'est pas officiel. Bien évidemment, moins moyennant le fait qu'on retourne pas sur Theme Park. Quoi, hein. C'est vous qui choisissez. Et si du coup, vous choisissez pas, eh ben, je la fais en sondage. Presque. Merci Izix, nouvel étudiant, bienvenue. Par là. Merci Ayuz ou Aizun pour les 3 mois de frais de scolarité. Un monstre poulet. Du coup, Oregon, café, skyscraper, merde, banque, villa, clubhouse. Oregon, café, skyscraper, banque, villa, clubhouse. Il m'en manque 2. Clubhouse, je viens de le dire. Club, je viens de le dire, Foxy. Littoral, ben non. Oregon, non. Emerald, non. Banque, non. J'ai déjà mis. Club, mais vous êtes con en plus ou quoi? Vous êtes complètement con, ma parole. Oregon, banque, vous connaissez 3 machines en fait. Theme Park, on vient de la jouer. Consulat, non. Café, déjà mis. House, non. Club, non. Park, non. Banque, non. Plane, non. Sky, non. Déjà mis. Skyscraper, déjà mis. Frontière, ah merci. Border, et quoi d'autre on va voir. 1, 2, putain mais ils sont en train de faire des beefsteaks mais juste en dessous de ma fenêtre ces fils de pute. Ils sont là, en train de, tu sais, d'envoyer. Ça sent le steak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en manque une. Gratte-ciel, c'est skyscraper. Chalet, merci. Ok, voilà les 8. Allez, vous votez.
Et il a pas l'air d'être. Ils ont pas vraiment envie de s'inviter, j'ai l'impression, et de résoudre les problèmes en face. Ils attendent vraiment que ce soit moi qui invite, visiblement. C'est bizarre, oui, Pingu était dans la partie, mais il n'est plus là. Oui, bah il faut aller voir ça tout de suite, du coup. D'accord. Bah en fait, il faut que tu le réinvites, voilà. Ouais, d'accord, ok, d'accord. Allez. Ah, c'est bon. Bon bah merci Deadwiss, à tout à l'heure. Pas de problème, 6-4. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Faut partir maintenant. Au revoir, au revoir. Il est parti. Merci Luchosa, nouvel étudiant, bienvenue poulet. Vous voulez... Putain la vache, vous voulez tous chalet là. Et vous êtes 13 à voter, vous vous foutez de la gueule de qui hein? Putain, vous êtes, franchement, vous êtes vraiment des abstentionnistes. On est 400, vous êtes 13 à voter. Bon, c'est pas vrai, vous êtes 44 à voter. Ça va, et c'est la flemme aussi de taper un numéro, quoi. Putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quoi. Enfin, pas le 9. C'est quand même pas très compliqué, merde. C'est bon? Bon, bah écoutez, vous voulez visiblement chalet, hein, on va vous emmener sur chalet. Hein. Eh ben, ce sera chalet. Voilà, simplement. Ce sera chalet. Ok, les noms des équipes. Pareil, deux droits de scolarité. Il y en a un, il a le droit de... Un sub offert égale, vous avez le droit de donner le nom de l'équipe que vous voulez. J'attends, et pas trop longtemps. Eh, Frandalax, c'était pas drôle, arrête. Nom de Dieu. Ah ouais, le Guise, il arrive. Et il paye comme ça, quoi. 5 droits de scolarité. Merci pour The Wars, pour Balou, pour Clino, pour Jean Moulin et pour Oni Lucky. Merci, on avait dit 2. Merci pour les 5 droits de scolarité, mon petit le Guise. Envoyez plein de GG, plein de gueule. Allez, le Guise, t'as le droit de... à un nom d'équipe. Ah ouais, ouais, c'est par personne. Pour la team ATP, les beaufs. T'écris comme ça. Hein. Moi, tu m'as écrit, tu m'as dit comme ça, j'écris comme ça. Ok. Et les autres? J'attends, hein. Team Vibes. Oh bah oui, c'est bien notre... c'est bien salty, ça. Oh. Il y a un mec qui s'appelle Vibes, on appelle ça Vibes. Les oranges, c'est les rats. Non, c'est deux droits de scolarité, les amis. Si vous voulez payer le truc. Vous pouvez mettre le nom de votre boîte, par exemple. Vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte, le product placement, là? Là, si vous travaillez chez Cordonnier du quartier, je vous mets Cordonnier du quartier. Moi. Pour deux droits de scolarité, c'est quand même pas mal. Ouais, vas-y, bah le Guise. Ah le gars, il a pris tous les spots. Hein. Merci infiniment, il a offert la possibilité à Tiblex, Iribo, Orlosk, Tourouk et Rango leur droit de scolarité. Et du coup, bah il décide encore. Allez, c'est parti le Guise. Merci mon poulet pour les 10 droits de scolarité. Dimon. Dimon. Dimon AMO, vous avez la ref. Bon, si vous l'avez pas, faut regarder les vidéos un peu. Voilà. Les beaufs, Dimon. Merci le Guise, c'est un monstre poulet. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, monsieur le proviseur. Voilà, répondez tous comme lui là, même s'il est un peu con. Je lance pas tant que j'ai pas toutes les réponses. Hein. Sur votre... Et si je vous entends pas en face, je lance pas. On va rester là. Oui, chef, je peux pas parler. Mais comment ça, tu peux pas parler? Tu vas jouer à Rainbow Six, fils de pute. Tu vas pas écrire, hein? Si? Attention, derrière, derrière. Merde, j'ai fait une faute. Ils ont le bug micro. Ah ouais? Merde. Ah merde, ok. Bon, allez, on envoie. Have fun! Tu voudras faire des teachers manettes? The War, je veux juste... Ne bouge pas, ok? Je vais juste... The War, écoute bien. Mais j'ai un message qui apparaît au-dessus de ton pseudo.
il y a marqué possible personne contournant un bannissement. Surveillance absolue. Ne bouge pas. J'ai l'impression que peut-être t'as un peu le moustique qui tourne autour là. Tu vois ? Et je bouge pas, tu vois. Je te le dis juste. En règle générale, on devrait pas partager ce genre de trucs là. Mais je voulais juste te tenir au courant quand même que t'es bien surveillé là. Là, tous les spotlights sont sur toi, Zewar. Hein, vu que t'as refait un compte visiblement, mais que derrière t'as cru qu'on allait pas le voir. Six, j'ai commencé PC il y a une semaine et je viens, c'est grave? Attends, t'as commencé PC il y a une semaine? Et tu viens quoi? Tu viens sur le clavier. Eh ben, c'est que t'aimes bien le PC. C'est du clavier souris sur console. Non, je suis pas dans la game, mais si après je suis pris. Mec, tu vas te prendre un. Tu sais que tu vas te prendre un 1 sur 10, hein. Ça va te niquer ta confiance. Hein. Ta confiance, pardon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si tu viens, on va te massacrer. Tu peux, hein. Fais gaffe. Hein. Ma mère m'a inscrit au Teachers. Je dois la rendre fière. Ouais. T'es caté, faut avoir confiance. Non, c'est pas possible. J'ai pas du tout confiance. Ok, on va voir qui. Si vous avez un pote, bah payez un sub. Moi, je vais voir votre pote. Ouais, tout est en sub aujourd'hui. J'en ai plus rien à branler. C'est vous qui décidez. Mais ça coûte un sub, c'est tout. C'est comme ça. Ça va se prendre des deux. Comment va mon streamer préféré? Les seules fois où je suis venu, j'ai 8 et 9. Donc là, même si j'ai 0, j'ai toujours la moyenne. Arthurie, t'as pas eu 9 en humilité, toi. Je suis plus nul que Nano. Tu crois que je peux venir, Six? Ah oh bah non, mec. Nano, c'est quand même... le fond de panier, quand même. Hein. Je t'ai payé un sub avant. Regarde Star-Lord. Ouais, mais c'était... L'offre promotionnelle est dépassée à Izune. Mais je vais aller regarder Star-Lord, quand même. Tu nous apprends la vie, hein. Tout se paye pour avoir ce qu'on veut, Six. Ouais, j'avoue. Il est bon, Star-Lord. Hein. Franchement, en plus, on sent qu'il a investi les moyens dans son PC, dans sa connexion. Il a vraiment envie de gagner. Franchement, ça nous fait extrêmement plaisir que tu nous aies conseillé d'aller voir ce joueur, Izune. La qualité de son gameplay, etc. Merci, hein, Izune. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. N'hésite pas, hein. N'hésite pas, dès que tu as un conseil à nous redonner. Envoie. Merci, Captain Fefe, pour les 10 mois. Comment ça, poulet? Alors du coup, on va aller voir qui? Remake? Non, mais l'autre, il s'est cru en PL ou quoi? T'as cru que c'était le Six Invitational ou quoi? T'as cru que... Le Google Doc, faut dire si on crache souvent, non? Bah ouais, bon. On va voir qui, hein. Ah ouais, mais là, du coup, ça m'a... Bon, on va aller voir Pingouille, ok? On va aller voir Pingouille, les amis. Ok, Pingouille, il est en roaming, les mecs. Waouh. Pingouille, il a des calls, les mecs. Ok, c'est propre ça. Bon après, je sais pas les calls qu'il a, mais bon. Pingouille, il est surtout aveugle. Comment il voit pas les drones? Salut, Luchosa.
Ok, pingouille. J'ai eu peur quand même. Ok, bon, il a fait le taf, ça va, c'était propre. Bon, après, on n'a pas les calls, donc ça se trouve, c'était juste de la chatte, hein. Hey ! C'est quoi, ça ? C'est quoi ces mecs qui viennent participer au Teachers et qui ont des fucking Minitel, mon gars ? C'est quoi ces connexions 56K du bled, là ? Putain, ça m'énerve, les gens, ils participent à les... franchement, je te jure, à la vie de ma mère, franchement, ça va. Après, bon, il faut pas que ma mère aille sur Skype, justement. Putain, ça m'énerve. On va faire pause timer. On va attendre un peu. Il re... Bon, bref. Du coup, ça nous laisse la possibilité de noter cette personne. Noter Pingouille, les amis. C'était propre. C'est parti, entre 1 et 10. Il te mute, pas de réponse. Aïe. Encore une belle organisation, ça, Tipeee. C'est pas le bon vote. Ah merde ! Bah c'était pour voir. Et ouais, c'est border, voilà. Du coup. Quelle note ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et fucking hell, et j'ai fait un contrôle. Oh non ! J'ai fait un contrôle W ou un truc comme ça, un truc de développeur. Ah, j'ai fermé la page. Ça arrive, c'est bon. Quelle note ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a quoi après les joueurs de FIFA ? 10, bien joué. Ok, c'est parti. Quelle note ? Allez, c'est parti. On fait quoi ça? Je veux bien que la prod revienne dans mes oreilles hein, pour m'expliquer ce qui se passe. Hein. Faut pas hésiter. Hein. Si la prod peut venir pour m'expliquer ce qui se passe. Une minute de pub, abusé. Non, le truc qui a abusé, c'est que tu te plaignes, fils de pute. Il est ouf, lui, ou quoi? Une minute de pub, abusé. Le mec, il va après, il va aller regarder Koh-Lanta. Il va se taper 9 minutes toutes les 45 minutes, quoi. Bah, nique ta mère. Merci, QBO, pour le fait d'avoir offert à Blood's Angels ses 6 mois de frais de scolarité. Un monstre. Oui, la prod. Oui, bonjour, 6-4. Bonjour, il faut... Tisma, comment vas-tu hein? Ça va. Très bien. Eh bah, comment te dire? Il faut que quitter la game pour qu'un nouveau joueur puisse rejoindre. Ah, oh, putain. Ah, je suis désolé. Mais putain. C'est R6, hein. Je peux pas faire autrement. Je suis désolé. Comment ça, c'est R6? Est-ce qu'il te répond sur Discord, le mec? Non, il répond pas du tout. Alors, c'est R6 aucune ou réponse. C'est pas R6? Alors... Il y a R6 parce qu'on ne peut pas inviter une autre personne sur la partie perso. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais il y a aussi, je pense, un tort du côté organisation. Ok, je veux le nom, Tisma, parce que t'as toujours été une petite baltringue, toi. Donc t'as toujours été en mesure... Ouais, mais moi, t'es pas le genre de problème. Moi, mais, toi, tu balances, moi, toi, j'en tu sais délates rien. Pas mal. Moi, tu délates ouais. Pas mal. Ah ouais, moi, je m'en veux les couilles. Hein. Ah oui, pendant la Seconde Guerre mondiale, t'aurais bossé à la SNCF, toi. Donc ah du ouais, coup... t'inquiète. Hein. Donc du coup, c'est qui le fils de pute? Qui a mal fait son boulot? Bah, c'est les mecs de l'event, tu sais, moi je suis pas trop de l'event. Pour moi, c'est Epilo qui a géré les games, hein. C'est Epilo qui a fait l'appel, je crois. Ah, putain la vache. À chaque fois, ils ont un truc, les deux frères, là, ou quoi, là? Les deux frères Bogdanov, là? Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Je crois que c'est les frères, hein. C'est problème de famille. Putain la vache. Bon, retournez au menu. C'est parti, on retourne au menu, du coup. Hein. Bah ouais, bah que voulez-vous hein. Il a mis une seconde à balancer. Ah, mais c'est Tisma, les mecs, hein. Ah ouais, bah ouais.
Bah non, mais enfin, je le dis, c'est tout. Oui, c'est comme ça, raison, l'erreur, elle est là. Bah, hein. Bien sûr, t'as raison. Balance dans tous les cas, tu l'aurais vu. Merci dans tous les cas, pour tu les l'aurais 3 vu. Mois, bien sûr. Mais c'est bien ce que non, tu fais, Tisma. Je suis très fier de toi, Tisma. Ça fera 10 euros la balance, par contre. Ouais, non, va te faire enculer, en revanche. du coup, abandonner le match. Bah, je dois recréer. Qui est-ce qui a rejoint là et qui est reparti du coup? C'était Deadwiss, je sais pas pourquoi. Okay. Mais la personne qui va arriver, en plus, ils vont l'ajouter et ils vont faire le taf. Très voilà. Bien. Est-ce qu'on peut s'assurer qu'il n'ait pas une connexion du bled ou sa mère qui l'engueule parce qu'il est en train de jouer à 20h? Normalement, le joueur, je le connais, donc normalement, il n'y a pas de souci. Ok. Est-ce que c'est possible de pas commencer tes phrases avec moi avec des normalement? Ça ira. Tout okay, ira parfait. Très bien sur cette game. Il n'y a pas de souci, mon cher 6-4. Merci. Tu vois, tu commences à me connaître. T'as vu, je commence à je commence à rentrer. C'est bon. Imagine un commandant de bord, tu rentres dans l'avion. Je suis désolé, je suis un peu stressé. Normalement, on devrait atterrir. Normalement, je suis pas sûr, mais... Normalement, on devrait y arriver. Putain, ça m'énerve. Ok. Normalement, et t'inquiète. Les deux pires. T'imagines le commandant de bord toujours. T'inquiète, normalement. On va y arriver. Alors du coup, je réinvite. Bonjour Deadwiss. Bonjour. Je réinvite Vibes du coup. Oui, c'est ça. Est-ce que j'ai besoin de te redonner le pseudo ou ça va aller? Non, ça devrait le faire, je pense. J'invite Vibes et de l'autre côté du coup. Deadwiss de l'autre côté du coup. C'est Pingouille de l'autre côté, voilà. Ah oui, Pingouille de l'autre côté, voilà. Excuse-moi. C'est toi qui as fait de la merde, Deadwiss, ou pas? Par rapport au retard, oui, c'est moi. Ok. Ça commence à faire beaucoup, Deadwiss. Excuse-moi, ouais. Tu seras au Salty Festival, Deadwiss? Non, malheureusement, je suis arrivé un petit peu trop... Je suis arrivé il y a pas longtemps. Oh, il aura pas une rafale de billes. Attends, mais hey, il parle comme le comédien là, qui a 20 piges, là, qui intervient sur France Inter là, avec les cheveux longs. Là. Ok, ouais, je vois, mais non. C'est Paul Mirabel. Tu veux dire si. Paul Mirabel? Non, pas Paul Mirabel. Si, Paul Mirabel. Si, je crois que c'est ça. Ouais. Cheveux longs. C'est tellement ça, on est d'accord. Ouais, les gars, franchement. Vas-y, raconte un truc. Genre, raconte une anecdote. J'ai rien à raconter, je suis désolé. Mais c'est tellement ça! Mais y'a rien, mais. Vas-y, raconte un truc qui t'est arrivé. Mais on s'en fout, raconte quand même un truc comme ça qui t'est arrivé il y a pas longtemps. Oh, franchement, ma vie elle est vraiment nulle. Hein. Bah, tu peux dire que t'es formé par Epilo, donc déjà là, tu vois. c'est un peu compliqué, mais on s'accroche. Ah, c'est 100% non, lui. Il est super pour arrêter. Si. Ah, de ouf. Ah, mais oui, c'est sûr. Paul Mirabel rentre dans le staff. Nouvelle vidéo. Putain, tellement content. On a fait un teach-us avec Paul Mirabel. Voilà le titre. Merci, Deadwiss. Pas de problème. Bon, allez, je te laisse. Il a la même voix, tu sais. Il a la même voix. Franchement, c'est lui, c'est son frère. Et le dernier, il arrive ou... Normalement, il arrive. Normalement. Attends, je te dis, je peux même te il dire arrive, qu'il manque. Il manque Garways. Je vais voir et j'arrive. Oui, d'accord, ok. C'est pas la peine de crier, fils de pute. Je crie pas, je parle normalement. Ouais. Tout de suite. C'est Paul Myrtille. C'est nul, en fait. Hein. T'enflamme pas. À quand le feat avec Gad Elmaleh? Attends, du coup, c'était quoi la map? Ah, c'était Chalette. Et du coup, il y avait combien? Bah, on s'en bat les couilles, on va remettre le truc. D'un côté, on avait Blue Team, c'était les beaufs. Hein. Les... beaufs. Ah merde, putain. À chaque fois, j'ai du mal à... Je voulais dire... Les... beaufs. Ah putain. Pareil. Beauf. Voilà, c'est écrit comme ça. Et l'autre côté, Diamond, on sait plus comment s'écrit. Hein. A-M-O. A-M-O. Ah ouais, mais on sait pas en fait. Ça doit être A-M-O en fait. Donc ça devrait être D-E-M-O-N, démon quoi. Si vous voulez faire un feat avec Kylian Mbappé, hein, je sais l'imiter. Ah ouais? Non, on va pas faire ça.
Donc on va attendre, les amis. Je vais mettre de la musique. Ah, voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ouais. Ah ben c'est ouais, bon. Ouais, super. Ouais. Arrêtez. Je vais venir pour dire que tout le monde était là, mais bravo, voilà. Bravo, c'est bon, Tisma. Tu peux y aller. Arrête de sucer les queues. Eh oh, eh oh. Ciao, à plus tard. Oh, il est un peu relou aussi. Hein. Ça, le problème avec les mecs qui... C'est sympa, mais bon. Toujours là. Poncer le bambou. Demons. Mais non, bah c'est le Guise qui a payé, mec. Et pourquoi t'es toujours pas surveillant d'Edwis? C'est normal ou pas? Je peux imiter Mobutu, mais c'est pas ouf en live. Il est event. Ah ouais? On va se faire péter. Mais pars du live déjà, toi. Mec, ils sont en train de streamac et tout. Oh, j'avais jamais vu sa photo en grand. Bah, il est dégueulasse. Hein. On dirait vraiment le quarantenaire qui se prend toujours pour un adolescent et... Ouais, franchement, là, je suis sorti avec mon fils et tout. Hein. On est allé au dernier concert, je lui ai montré un Doshine. Aïe, 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 aïe. Moi, je veux la revanche contre Nano. Ouais, et moi, je veux 1000 euros. Bon, et on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. On va voir qui. Merci pour les 100 bits, Taki. Merci, poulet. Un monstre. Petite prédiction pour le match. Yes. On va voir qui. Sure. Possible personne contournant. Eh ouais, à chaque fois. Ben non, on n'ira pas voir le... Non, t'es fiché, Zewar. Arrête de parler. On va voir qui, les amis. Allez, vas-y, random. Et voilà, on va voir... Oh, fucking hell. Tisma.ynk en plus, quoi. Vas-y, j'ai envie de l'enculer. Enfin, Six, ça te va mieux la barbe. Pourquoi tu la rases? Parce que ça pique ta mère. Oh là là. Et après, il y a plein de gens, tu sais, ils me demandent ce que je fais comme métier. Et je leur dis, ouais, vous savez... Ah ouais, ça a l'air cool et tout. C'est quoi ta chaîne? Je la donne jamais. Je leur dis, vous savez, je suis pas vraiment la même personne en live et en vrai. Oh bah si, quand même. Ouais, non, franchement. Franchement, on n'y allait pas. C'est pas... Voilà quoi. Oh mon dieu. Merci Steaky pour les 200 bits. 2,32€. T'es un monstre, mec. C'est beaucoup trop. Ok. Ok. Ça met des petites nomades aux intersections. What the fuck, il a pris ça d'où? Ah. Ok. Ça va, c'est propre ce qu'il a mis là, ça joue bien. Hein. Le niveau est supérieur, vous avez compris tout à l'heure, on était sur du gold, là on est sur du diamant en ranked 2.0 quoi.
Ok, il est con comme une bite en fait. Oh, ils peuvent tellement planter là. Ok, Tisma. Excuse-nous. Ok, Tisma, bah désolé en fait. Ah non, mais il faut savoir le dire quand c'est propre, hein. Bon, à part la flash, voilà quoi. Ouais, c'est pas mal là. C'est pas mal du tout là. C'était propre là quand même, hein. Ça claque des fesses là un petit peu là. Bon, à part le j'aurais voulu voir un petit droning sur site quand même quoi. Le T1 il est pété. Bon, plutôt que d'aller fake check sur une ouverture sur le côté gauche, le piano, heureusement que l'autre il est un peu nul quoi. Mais tu viens pas ouvrir une ligne comme ça si t'as pas une info quoi. C'est bien parce que les mecs sont pas bons en face, mais contre des pros tu te fais sécher à ce moment là quoi. Bah ouais, forcément. Le mec piano, c'est quand même de, le fait de venir mettre la tête, c'est propre, mais c'est quand même une erreur impardonnable que celle de pas droner, quoi. Il avait drone ? Il a droné sur site, il avait même spot le mec piano. Ok, 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 ok. Donc dans ce cas-là, c'était pas trop mal, quoi. Bon, vous avez mis 9. J'ai mis 7. C'est pas mal. Ça fait une note à 8. 8, je suis d'accord. 8, c'est pas trop mal. On va aller voir qui. On a vu 2 kills de la part de Tisma. On va aller voir Revac. Tiens. C'est qui Revac? C'est qui Revac? Et le tag YNK plus le charme, c'est pas bonus? Ah, le tag YNK, c'est juste pour dire ouais, je suis dans une truc champion du monde quand même, tu vois. Toujours la classe. Merci Captain Fefe d'avoir offert la possibilité à Perfetard. C'est droit de scolarité. Hein. J'ai bien lu, c'est bien Perfetard. J'ai bien le jeu de mots. Je connais juste la planète Melmac, mais passe Revac. J'ai pas la rêve du tout, Kawid. Mais tant que ça te fait rigoler dans chez toi, c'est bien. Je reviens, je vais chercher la CB de la daronne. Ouais, vous avez raison les amis. Allez chercher les CB de vos parents, prenez-leur toute leur thune et donnez-la moi. Ah non, franchement, c'est une bonne... Moi, j'aime bien. J'ai besoin d'attention, Six. C'était mon anniversaire hier. Eh ben, écoute... Ouais, bah, moi, j'ai besoin de subs. On s'aide ou quoi? 5 subs et je te souhaite joyeux anniversaire, hein, mec. Ah ouais, les temps sont durs, mec, les temps sont durs, hein, donc bon... Ah, quelque part... Aide-moi, je t'aide, tu vois. La planète de Alf, désolé, référence de vieux. Ah ouais, le bouffeur de chatte. Non, genre vraiment... Vous avez pas la ref, c'est tout. Bon alors Revac, ouais t'as raison, ping, hein, ping. Bind-le sur le clic gauche même. Hein. Voilà, il a fait la petite décale Revac. Oh là, le pré-shot et tout. Il va TK son petit mate. Hein. Ouais, bien sûr, toujours balancer un truc au niveau du blue. Hein. Ouais, qui rebondit en plein milieu du bomb site, je veux dire. Au cas où quoi, tu vois. Il a bougé ce truc. Le mec il tire avec ses amis à droite frérot. Ok. C'est nul. On va retourner voir Revac un peu. Non? Bon ça va, c'était pas dégueulasse quoi. Mais bon, là ils sont en train de se faire soulever en face. Ah, va falloir qu'ils se calment leurs ardeurs un peu là. Merci Captain Fefe d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leur droit de scolarité pour Shogs, Filoum, Bznahbi, Ryoshi et Phantom qui se font tous payer leur droit de scolarité. Un monstre, envoyez plein de GG, plein de cœur pour Captain Fefe et souhaitez-lui un joyeux anniversaire, ok? D'accord? Allez, envoyez plein de joyeux anniversaires. Il s'appelle CPT Fefe. CPT FEFE. Faites arrobas Captain Fefe
Et vous faites, je vais devoir faire, Captain Fefe. Franchement, ça fait plaisir. T'as quel âge? Ah, 22 ans. Franchement. Oh, c'est génial, 22 ans. C'est un peu moins que 23 et un peu plus que 21. Oh non. Et t'as eu quoi pour tes 22 ans? Bah, rien, franchement. Mes parents sont morts. Oh merde, ça c'est con ça. Moi aussi. Non, c'est pas vrai. À défaut de te donner des VOD, voilà des subs. J'attends toujours tes VOD. Merci Captain FV, n'empêche. Et joyeux anniversaire, poulet. Waouh. Ouais, bah Just Soon, visiblement. Ouais, Just Soon, quoi. Y a pas l'image, quoi. Oh, qu'est-ce qu'il fait, Just Soon? Ouais, t'as raison. Eh, hey, franchement. Eh, hey, Balek. Ok. On va aller voir Just Soon, les mecs. Merci, Fef. Enfin, joyeux anniversaire. Sig, c'est quoi ton secret pour que t'aies l'air d'avoir 30 ans? Bah, j'ai 30 ans. C'est incroyable comme secret. Hein. Ouais, pour avoir l'air d'avoir 30 ans, faut avoir l'âge de d'avoir l'air d'avoir 30 ans. Quoi. C'est tout. Ah! Sorry, c'est la clim. 24, c'est un peu... J'ai un peu froid, en fait. Ah, ils vont se faire défoncer la défense. Hein. Mozi, il vient de regarder une cam. Il y a un drone qui arrive sur lui. Donc là, il y a forcément un drone en train de le pinguer, tu vois. Ah oui, oh bah oui, je veux dire. Ok. Ok, bon, Il fait son taf, mais bon, il a eu un peu de mal avec le drone et tout. Après, il se cache dans le côté. Bon, il reste au niveau du trophy, c'est pas trop mal, quoi. Mais bon, ça, c'est difficile, parce qu'on sent bien que c'est le genre de round où il aurait pu faire une moins 2. Et où, surtout, si on refait 100 fois le round, il se fait enculer quand même 60% du temps, quoi. Voilà, donc je sais pas, c'était pas... ça transpire pas non plus le truc, mais bon, il fait son taf. Mozi, à l'heure actuelle, est-ce que c'est vraiment bien dans l'air du temps? Est-ce qu'il y a pas des choses qui sont plus intéressantes à prendre et qui cassent plus les couilles? En revanche, on va en reparler de Foxy, hein, qui a quand même pris... qui a quand même pris le siphon d'une douche pour un adversaire, quand même, le mec. Et le mec est à la Salty Academy, il le met dans son pseudo, en plus. Il est fier, le mec. Ouais. Voilà, quoi. Pour Mozi. Ok, la défense commence à mettre des rondes. Merci, Bibou, pour les 2 mois de frais de scolarité. Des monstres. Et encore merci, Fefe, Le Guise, Steaky. Il y a eu beaucoup de gens généreux aujourd'hui. Ce qui est rare, en règle générale, vous êtes quand même relativement... des gros enculés, mais aujourd'hui ça va, vous êtes sympa. Donc du coup, vous avez mis combien? Bah ouais, franchement, on est d'accord. 5, je suis d'accord avec ça. Voilà. Pour le Mozi. Oui. Merci TN aussi, bien sûr. On va voir qui? Alors on va voir quelqu'un qui a fait des kills, parce qu'autrement, s'il est pas réveillé. On va aller voir Jipnikri, là. Hop là, tac. C'est un grade de diamant, ça, le charme. Non? Les mecs, et tant que vous avez pas un charme du plus haut niveau sur le jeu, ne le mettez pas. Ah, c'est champ? Bon, alors ok, je dis rien, ça va, ça passe. Mettez celui de la Salty Academy, en plus il n'existe plus, comme ça il est rare, tu vois.
Il a vu un truc sur Coconut Bras là. Il s'est dit, je vais vous montrer les mecs, regardez, je vais le mettre à l'intérieur. Ça, comme ça, personne ne le... Oh putain, attends, Coconut, il a dit... Troisième pixel à droite, quatrième à gauche. Attends, attends, c'est... Hey, what's up guys, this is Coconut Bras, and you need to shoot like a motherfucker to get the Kaïd. Là, dans 3 secondes, les mecs, ils s'énervent. Ça a servi à rien, son bordel. C'est vraiment de... Ça ne sert à rien. Ça ne sert à absolument à rien du tout, en fait. Hein. À la limite, de l'autre sens, ça aurait pu protéger de l'angle de l'autre côté de la porte, mais bon... Oh là là, c'est le France... C'est l'équivalent français de Coconut Bras, quoi. Noix de coco, il s'appelle. T'es aigri ici, ça. Ah ouais, bien sûr. Ouh. 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 Situational awareness. Ouh. Bon, lui, les gars, je vous dis, je vous prédis le truc. Il fait rien du tout et il se fait enculer à 30 secondes de la fin. Voilà. Je prédis. Merci Takani qui est ta mère pour les 38 mois de frais de scolarité. Oh là. 4, je me permets de mettre un gros cul à ton pseudo, vu le pot de glace que t'es enfilé. 6-4 LOVE, 6-4 LOVE. Exactement comme j'avais prédit. Il est fort. Merci Captain Fefe d'avoir offert la possibilité à 12 personnes de payer leur droit de scolarité au sein du campus de la Salty Academy. Merci pour Yedin, Maxinato, Benjiro, T2Mort, French Flair, Brius, Piki, Fenua, Bluetox, Shadox, Paulette Vamarke et Ferek qui sont tous payés leur droit de scolarité grâce à la putain de générosité de Captain Fefe. Envoyez-lui plein de GG, plein de cœur s'il vous plaît. Spammez-le. Genre vraiment... Et dites-lui joyeux anniversaire. Oh là là ! Petite ligne et tout, de fils de pute, j'adore. Oh, il claque le one tap là, il prend un 9. Hein. Ah, dommage. Ouais, pas mal, pas mal. Ça prend Kaïd en plus. Ça a voulu faire un petit truc bon, sympa. Ça s'est un peu chié dessus quand même. C'est le ventilateur, je crois. Ouais, non, mais je suis comme les moustiques, moi. J'aime pas le vent, en fait. Oh, offrez des subs, bande de fous. Nique ta mère, Gabriel. T'as un prime. T'es ouf ou quoi? Aide-toi, le ciel t'aidera. Merci, Captain Fefe, t'es un monstre. Ok. Quelle note, du coup, pour Nkari, là? C'est pas mal, ça. Hein. Vous mettez combien? Ah, c'est propre, hein. Oh là là, et Captain Fefe, garde ta thune, mec, non? Tu veux pas garder un peu ton argent, frérot? Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Qu'est-ce qui t'arrive, frérot? Merci, poulet, vraiment, d'avoir offert la possibilité à... What the fucking fuck? Plus de 30 personnes, quasiment, je pense. Pour Overleak, Sam K, Pato Nutella, Washiraj, Saka, Léo Dax, Just Daku, Psycho, T-Cody, Drizzy, Karl, Naken... Poulain, Driver, Jug, Sex se font tous payer leur droit de scolarité grâce à la putain de générosité de Captain Fefe. J'ai reçu ma prime de risque du taf aujourd'hui. Putain la vache, vu ce que t'as... Ça doit être risqué ton taf parce que là t'as vraiment... plein de GG, plein de cœur s'il vous plaît, les monstres. Envoyez plein de GG, plein de cœur. Faites spammez-le s'il vous plaît. Ça lâche les billets là, ouais, tu m'étonnes. Vous avez mis combien du coup? Vous avez mis 8 pour... bah là, je pense que vous êtes un peu des fils de pute, vous voyez. Moi, j'ai mis 9. Vous voyez, comme quoi, je pouvais me tromper. Je pense que ça fait de vous un peu des enculés. Mais ça, on le sait de toute façon. Vous êtes des viewers, vous êtes un peu des enculés. Et moi, j'ai toujours été un mec sympa. Allez, Mira, poignée inclinée. Ça se fait ça, vraiment, ou pas? Il a failli se prendre une bastos, là, par son pote. M-
Mira poignée inclinée. Bon, déjà, on sent qu'il a, il a soit 40 FPS. Eh non, 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 non. Pablito, déjà, Pablito Ninja, quoi. Pablito Ninja. À quel moment tu t'es dit, ouais, je vais essayer de trouver un pseudo qui est pas trop mal. Genre, fameux ninja portugais. Pablito Ninja. Ah, franchement, c'est un super ninja. Il casse des briques et tout. Incroyable. Alors, you have one job, ok? C'est ton C4, voilà. Eh ben, t'es con comme une tortue. Eh ben, super. Il était tout content, il s'est dit, ouais, j'ai vu 6-4, un jour, il l'a fait. Eh, sauf que 6-4, il a du game sense, Pablito Ninja. Et là, il va se faire niquer. Ah, il passe. Pablito Ninja, Pablito Ninja, il s'est fait niquer sur son propre trou, mec. À quel moment tu mets ton crosshair là, en fait. Tu mets forcément le crosshair là où il y a une tête qui peut apparaître. Il s'attendait à quoi? Qu'un mec fasse un grand tout droit? Ah non, Pablito Ninja. Ah, déjà, rien que le pseudo, tu vas prendre une amende, mon gars. Tu vas prendre une pastille. Hein. Ah là 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 là, allez la note pour Pablito Ninja. Voilà, c'est chaud. Ah, on est reparti sur Tisma, mais bon. Ah ouais, là c'était vraiment le move débile. Hein. Vraiment le move débile. Allez, dépêchez-vous de voter là, bande de salauds. 3, 2, 1... Finish Paul, vous avez mis 2, bah on est d'accord, et Pablito Ninja, allez hop. Ah ouais, non mais franchement. Un pour la participation, ouais, 2. Allez, suivant, il reste qui? On va aller voir, ouais, Foxy, il a fait 6 kills quoi. On va aller voir Pingouille, tiens. Pingouille. En plus, il a pris lésion. Pingouille. Et les gadgets de lésion, ça picouille. On l'a vu en premier, non? On a déjà vu Pingouille. Vas-y, mais dites-moi du coup. On l'a déjà vu en premier, non? Gna gna gna. Tu veux pas me dire ce qu'on a déjà fait, enculé? Non, c'était Tisma en premier. Ouais, on est d'accord, c'était Tisma en premier. Ah voilà, et Bob l'éponge, il dit que de la merde. Avant le remake, on l'a vu. Mais on lui a donné une note ou pas? C'est 6-4, comment vas-tu? Bah ça va, mais si tu prends un sub, je vais mieux quand même. Ah ouais, c'est comme ça. Frérot. Oui, il a 8. Pingouille, il a 8. C'est impossible d'avoir un pseudo avec Ouille dedans et d'avoir 8 sur 10 au Teachers. Déjà, quand tu mets Pingouille, tu vois, c'est... Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es en règle générale le mec un peu pas drôle de la soirée, quoi. Qui veut pas se prendre au sérieux, mais un peu... Mais au final, qui sent un peu la croquette sur ses décales, quoi. Non, moi, je me prends pas la tête. Je joue à Rainbow Six pour m'amuser. T'as vérifié la cuisson de la côte de bœuf des voisins? Eh, mais ça sent le steak chez WAM. Les fils de pute, ils ont mis le barbecue sous ma fenêtre. On n'a pas noté Foxy, Tipeee, Vibes et Shure. C'est les 4 seuls qu'on n'a pas... Ils ont mis un ventilateur pour m'envoyer tout ça, c'est pour me dire, le geek il sort et tout, il pense que je vais sortir comme un... Oh! Vous voyez, Pingouille. Ouais, Pingouille. Pingouille, il a le cerveau d'un labrador. Et il a eu de la chatte. Bon. Ça va, c'était pas trop mal joué. Il s'est quand même tiré. Mais je sais pas pourquoi est-ce qu'il a poussé à ce moment-là, tu vois. Quelqu'un peut m'expliquer le move ou pas? Hein? Non? Bon bah voilà. Bon bah super, moi non plus. Du coup,
En avant. Merci Royal Forces pour les 13 mois, t'es un monstre poulet. Hello proviseur 64 LOVE 64 LOVE. Avec la Ben & Jerry en dessert, ils pourront pas. Ah, c'est bon, je suis resté 15 minutes de plus dans le sauna aujourd'hui, les mecs. La Ben & Jerry, c'est bon, elle est totalement éliminée. Hein. J'ai mon summer body. Hein. Ouais, enfin, mid-spring. Mid-spring body. Vous avez mis combien? Ouais, je suis d'accord. Pingouille, c'est ok, quoi. C'est ok, tiens. Oh, Vibes, il a failli se faire niquer là-dessus. J'adore regarder les Yana, tu sais. Ouais, surtout les Yana qui sentent un peu la croquette, comme ça. Ah, les déplacements. Oh, l'autre, il se donne complètement la tête, là. Coucou, salut, ça va, hein. Si elle met le clutch, je joue à Fortnite. Et je vous donne 1000 euros. Ouais, dommage, hein. vous y avez cru, j'imagine. Non mais allez, 4 pubs à la suite, non mais ça va. Mais non, ça va pas, nique ta mère, Zam. T'es pas sub, mec. Qu'est-ce que tu viens chialer, là, parce qu'il y a des pubs. Non mais ça va bien. Franchement, je me suis pris 4 pubs. 4 pubs, mon gars. Une minute sur les 60 minutes de contenu gratuit, hein. Mais ça va pas de niquer ma gratuité. Merde. Ça me vénère, ça. Ah, je suis tellement content que les mecs ils se tapent la pub au pire des moments. J'aimerais tellement savoir quand il y a la pub, tu sais. Pour qu'à la seconde où la pub elle revient, elle s'enlève. On puisse faire un truc du genre. Oh, vous avez... J'ai jamais vu ça dans l'histoire de Rainbow Six. Jamais. Oh là là, je suis tellement content qu'on ait pu partager ça ensemble et tout. Oh là là, vraiment. Enlève les pubs. On peut pas les enlever, fils de pute. Je les ai enlevés depuis longtemps, mes pubs. Merci Jack Dolive pour les 47 mois. Merci Gabriel pour le fait d'être un nouvel étudiant. Merci Dr Bears d'offrir à Zam sa possibilité de ne plus avoir de pub. Yo, comment ça va? On va avoir Tipeee. J'ai pas d'argent. Eh bah dans ce cas-là, si t'es pauvre, tu fais comme tout le monde. Tu regardes les pubs et tu fermes ta gueule. Est-ce que c'est pas un truc qu'on a appris depuis 10 ans? Sur tout ce qu'on appelle le freemium. C'est simple. Soit tu payes un premium, soit c'est gratos, t'as pas envie de dépenser, t'as pas un rond. Moi aussi je l'ai été. Moi aussi il y a des trucs sur lesquels j'ai pas envie de dépenser de la thune. Mais en revanche, je ferme ma gueule quand je me prends des pubs. C'est simple quand même la vie. T'en as pas marre de rester sur ce jeu? Willy Power, est-ce qu'un jour tu vas aller demander à Zinedine Zidane s'il en a pas marre du football, fils de pute? Zizou, t'en as pas marre du football? Mais jamais tu vas lui demander ça. Tu vas être là en train de lui dire, franchement, t'es la légende du football, Zizou, je peux te sucer la bite? On n'a pas vu du coup de Tipeee, putain. Beaucoup de mamans petites. C'est vrai qu'il y a quand même un sacré... Ouf. Just Sound, il l'a pas Sound celle-là. Franchement, t'es la légende d'R6. Je peux te prendre un sub? Vas-y. Tu te considères aussi fort que Zidane sur Rainbow Six que lui au foot? Bah, moi j'ai jamais triché en revanche, tu vois. Tu vois? Aïe, 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 aïe. Moi, je me suis jamais dopé sur Rainbow Six. Non, mais Zizou non plus. Moi, j'ai toujours été droit dans mes baskets.
terrain qui glisse. On touche pas à Zizou. Aïe aïe aïe. Non, je plaisante. Oh là là, c'est propre ça. Oh là là, c'est dégueulasse ça. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Oh là là. Oh la vache, qu'est-ce qu'on vient de voir? Combien vous mettez à... Combien vous mettez? Hein? À Tipeee? Je sais pas les mecs. Franchement... Voilà quoi, j'ai mis ma note moi. Merci Cédric, nouvel étudiant du campus. Non, ça fait déjà 39 mois que tu payes tes droits de scolarité. T'es un monstre. Voilà, tout simplement. En avant. Et y a 6 personnes qui ont voté, les mecs. Vous vous foutez de la gueule de qui, là? Faut taper entre 1 et 10 dans le chat. C'est pas trop difficile ou quoi? Oh non, franchement, l'interaction, c'est trop compliqué. Tu m'étonnes après que personne n'aille voter un dimanche à l'autre bout de la ville, dans une école. Ben voilà, vous commencez à le faire, ça va, c'est pas trop mal. Vous avez mis combien? 5? Y'a personne qui a mis 3? Ah bah ouais, bah merde. Ah, du coup, j'ai mis 3 moi. Ouais, bah c'est Tipeee les mecs, ok. On sent bien que. Tu vois? Ça s'allume, ça s'éteint, tu sais. Lumière, jour, nuit, tu vois? Hop là, de temps en temps, il est en mode attentif, tu vois? Et de temps en temps, on le perd, tu vois? Malinois, caniche. Malinois, caniche, tu vois? C'est Tipeee ça. On va aller voir qui? Ah merde. C'est un modo, c'est -2. En plus, je vais enlever un peu de notes. Et on va aller voir Shure, parce que Shure, il a pas l'air très sûr de lui. Bon, déjà, il prend Gridlock, quoi. Bon. Ouais, 3 kills. La ligne qui vient de se créer à droite, tu t'en fous? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il danse la javanaise? Ouais, remets-en un, au même endroit. Ok. Ouais, sure, à mon avis. I'm sure that il va se faire enculer. Hein. Il va même pas pusher sur son pote. Bon, ça va, le aim est pas dégueulasse quand même. Bon, sure, c'est le bon support. Voilà, il casse des fils, des trucs. Il prend les wimps. Mais sure, il sent un peu la croquette quand même. I'm sure qu'il est pas très bon. Ah ouais, c'est chaud. Et ouais, c'est pas... Sure, bon... Ouais, c'est... Ah, quelle note pour sure? What the fuck? Eh, ce C4 était incroyable, j'aurais voulu le revoir. Ça, c'est un truc de... Ça, c'est un truc de Pablito... Pablito Shuriken, là, non? Ah merde, attendez, j'ai pas fait Start Poll. T'sais, j'étais tout content de mon truc. Allez, allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein. Ah
Allez, dépêchez-vous. Pourquoi il n'y a pas zéro? Parce qu'on est des gens bienveillants, ok? Et parce que zéro, ça peut blesser les gens de temps en temps. Et on n'est pas là pour blesser les gens. Avec un, au moins, on est dans une espèce de logique d'axe d'amélioration. D'ailleurs, on n'appelle pas ça des notes. On appelle ça des feedbacks rétro-positifs. C'est extrêmement important. Bienvenue à la Sweetie Academy. Ah oui, c'est positif. Alors que zéro, eh bien, c'est zéro. vous avez mis combien? Ouais, franchement, on est raccord. J'ai mis 3 aussi. Faut voir Vibes. Ah ouais? On l'a pas vu? T'es sûr de toi, Zeros, que là? Si, on a vu. Ah, Zeros qui dit que de la merde. Layana. Oui, oui, et Foxy, ensuite, on a fait le tour. On l'a vu, c'était Yana. Oui, il manque que Vibes, on l'a pas noté. Vu, mais pas noté. Ok, 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 il a l'air sûr de lui. On l'a vu avec Yana et Saint Vibes. Mm-hmm. Vu, mais pas noté. Non, Foxy. Vas-y, j'arrête de lire le message. On va aller regarder Vibes. Ok, on check la caméra, on est sur une Mira, j'aime bien. De toute façon, t'as pas grand-chose à foutre d'autre, quoi. Ouais, ça sert à rien de prendre une ligne. Hein. Tu peux regarder ce qu'on appelle la caméra du main. Et vu qu'elle est pas cassée, voilà quoi. Visiblement, il demande quelque chose à Warden de mettre ses lunettes. Ah oui, d'accord, il pouvait pas se déplacer, ce fils de pute. Il y avait la même machin, il a mis 16 minutes à dire voilà quoi. Le mec est manager, il est manager. Lui dans la vie il est manager. S'il te plaît, fais n'importe là. Ouais, celle-là là. Je te ping, fils de pute. Il paraît. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, ça va encore faire des trous pour la défense là. Non mais mec, le plafond. T'as cru quoi? T'avais des bras qui faisaient 16 mètres? Il est con ou quoi lui? Ah bah. Il a cru que c'était Dalsim. Ah putain, il perd un point pour ça. Oh fuck. Il est à don Vibes. Il va se faire électro-défoncer. Oh, j'adore les gens qui sont à donf comme ça dans le truc. Ah ouais, mais attends, mais... Ah, y a plus personne. Allez, va l'enculer lui. Ah, il veut pas. Vibes, il a envie d'une bonne note. Seul moment où il regarde pas. Oula. Il vient de tirer à la fenêtre, frérot. Et l'autre, il fait quoi dehors là-bas là? Mais c'est quoi ce fils de pute? C'est sûr ça. C'est Wembanyama. J'ai pas la ref. Ça se voit, le staff a mis les meilleurs ensemble contre des gens pas forts. Oh, les meilleurs, ça, oh, c'est pas non plus, voilà quoi. Mais je crois que, je crois vraiment la roue. Ah, c'est la cinquième roue, c'est un peu Pablito quoi. Ah, Pablito, là il se retrouve un peu à un endroit, what the fuck, les gens visent et tout. Je pense. Le premier français au basket qui est premier en draft NBA. Ouais, mais j'ai pas la ref moi sur les sports de merde. Oh, je suis désolé, Royal Forces. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oh, les sports de naze là, franchement.
Ok, bon, et Tipeee, aïe, il a regardé encore des vidéos, lui. The best cam on Chalette. Six, il fait du golf. J'adore le golf. Je trouve ça incroyable. Incroyable. Bien plus sympa que le basket, d'ailleurs. Non, mais le basket fait partie des sports que je déteste, en fait. Donc, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je pense que c'est parce que je suis raciste. Je vois aucune autre explication, en fait. Ça peut être que ça, en fait. Hein. Il y a un moment, il faut dire les choses, tu vois. Il y a un moment, il y a un truc que j'aime pas. Ah, le fils de pute. Je pense que c'est ça. Non, en vrai, je sais pas. Le basket, je trouve ça pas ouf. Et pourtant, j'ai regardé tous les documentaires sur Netflix, genre The Last Dance et tout, j'adore. Mais bon, ouais, à regarder, je trouve ça un peu naze, quoi. Golf, meilleur sport, j'adore. Est-ce que tu penses que le golf est un sport de riche? T'as vu le prix du à l'année du... Attendez, on n'a pas vu qui. Attendez, chut, arrêtez, vous allez me déconcentrer. Ah, regardez, le golf, c'est ennuyé à mort. Ouais, faut regarder le feedback, tu vois. Genre, le documentaire là sur Netflix, ça, il était vraiment incroyable. Merci pour les 1€. C'est assez marrant, mais il faut savoir que la pétanque, le pays qui joue le plus à la pétanque et qui kiffe la pétanque, mais genre qui surkiffe la pétanque, c'est le Laos. Et quand j'étais au Laos, je me suis fait des parties de ouf de pétanque à 3h du mat avec des Laotiens qui essaient de dire « Oh si ça, c'est français et tout ». Parce qu'ils utilisent des termes français qui au fil des années se sont complètement transformés et qui veulent rien dire et on comprend pas, tu vois. Mais c'est drôle. Et voilà, il faut le savoir. Donc si vous aimez la pétanque, le Laos, quoi. C'est limite un sport national là-bas. On n'a pas mis de notes à Vibes. Hein. Bah, je suis dessus, là. Il a pris Azami, il a mis des bonnes Azami, etc. Ça va, c'est pas mal, là. L'anecdote en mode Oussama Hamar. Ouais, sauf que moi, je ne mange jamais, tu vois. Et je peux même... essayer de retrouver où c'était et la date, si tu veux. Ah bah désolé. Pablito, il a fait son deuxième kill de la soirée. Troisième ! Putain, la vache, Pablito, les mecs ! Wow, wow. Bah du coup, on l'a dans le cul, en fait. Parce que bah... Ah si, on peut aller voir Zoxy. Faudra aller voir Vibes et Zoxy, il reste que deux de toute façon. Ah, fait chier, mais Vibes, je crois qu'on va pas le noter, hein. Il s'est fait un peu enculer. Hein. En même temps, c'est un peu débile son move. Hein. On pourrait quasiment le aller le voir rien que pour ça. Eh, c'est le... Oh ! Oh, le C4 de merde, mais alors la tête, la tête... Le mec, quand il l'a tué, il était sur Oregon. Ah ok, GG, well played, super, bah du coup on peut pas voir tout. Bon bah on aura pas Vibes, mais bon c'est peut-être pas plus mal. Et Foxy non plus, Foxy ça va, qui s'est un peu remonté quand même, qui a fait 9 kills. C'est un peu bizarre, ses mécaniques sont pas vraiment ouf ouf. Le C4 là il était pas ouf ouf, mais il arrive à faire des kills quand même, voilà quoi. Mais il est passé d'un shoot incroyable à ça, ouais j'avoue le dernier kill était quand même dégueulasse quand même. Hein. Hein, le aim de Foxy, c'est soit tout, soit rien. Ouais, je suis d'accord. Je suis relativement d'accord avec ça. Quelle heure il est, là? Est-ce qu'il n'est pas le temps de me barrer, quoi? Ça fait combien de temps qu'on est en live? Ça fait 4 heures, putain, la vache. 4 heures, les mecs. Et quand est-ce qu'on dépasse le sub-goal, là? Vous allez faire péter ce sub-goal, là, un peu, là, qui a un sub-goal entraînant. Parce que quand je vais revenir demain, il va être à 2002, hein, donc vous allez l'avoir dans le cul, hein. GG, bah pas tout le monde, hein. Foxy, franchement, waouh. Foxy ? C'est barré. Ouais, ah ouais, bah il sent un peu la croquette, hein. Puis toi aussi, c'est pareil, oui. Hein, t'es un peu nul, hein. Voilà, c'est tout. Je tenais à vous le dire, là, vous deux, là, vous êtes un peu nul à chier, quoi. Tipeee, Foxy, là, waouh, 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 c'est chaud quand même. Eh, vous mettez des gros C4, les mecs, hein. C'est quoi les buts du jeu de vos C4 ? C'est de casser le plancher ? Vous aimez pas le plancher, c'est ça ?
Non, bah, je croyais qu'il y avait quelqu'un, moi. Ah non, il y avait personne. Il y a un gars qui est monté Escamène. Il y a un gars qui est monté Escamène. Non, non. Ah non, ok. Non, mais je suis juste con. Voilà. Bah voilà, je non, pense c'est que voilà, c'est... mais non, il faut dire les choses. Hein, voilà, bah oui, je suis d'accord avec, avec cette conclusion, Foxy. Merci. D'accord. À plus tard. C'est vraiment con sur tout le long. Oui, absolument. Tes notes sont dégueulasses. À bisous, à plus tard, okay. Bon courage. Ouais, bisous. Merci, c'était qui pour les 100 bits. Du coup, est-ce qu'il reste une dernière game ou pas? On peut s'inscrire. Ah, et c'est le deuxième petite chose que je fais. Le deuxième où je suis pas noté. Ah ah ah. Ah ouais, vibes, bah désolé, hein, mais c'est peut-être parce que t'as des mauvaises vibes. Hein. LOL, c'est nul. C'est quoi le sub goal? Je vais l'enculer l'autre. C'est pas assez gros au-dessus de moi ou quoi? Last six. Faut que je revienne sur une troisième. Let's go, une dernière. Nous dit Dr Bacon, pas abonné, bravo. Moi, je veux des étudiants là qui me disent ça. Est-ce qu'il y a du monde du coup dans la prod pour faire une dernière game? Désolé, j'ai pas de prime. Et alors, t'as comment ça, t'as pas de prime? Six, c'est le mec qui lâche l'argent, c'est le bonheur. Nah, justement, non. Eh non, justement, tu vois. Moi, j'aimerais bien, tu vois, genre Into the Wild. Tu vois? Couper mes cartes de crédit. Je dis pas qu'un jour, ça n'arrivera pas, tu vois. Couper les cartes de crédit. Faire un Twitch où je vous montre ma bite. Histoire d'être sûr et certain de jamais revenir, tu vois. Je lance le live. Salut tout le monde! J'avais un truc à vous montrer. Hop là, Helicotub. Derrière, banni, je vous fais tous des fuck en vous disant allez tous vous faire enculer, bande de fils de pute. Et derrière, je me barre. Bon, après, le problème, c'est que lui, les États-Unis, il va en Alaska, tu vois. L'équivalent de chez nous de l'Alaska, c'est Dunkerque. Seul endroit où il y a de la neige et des ours, quoi. Et mourir dans un bus. Ouais, mais il est con comme une bite, lui, hein. Ah non, mais on va pas se mentir, il est con quand même, tu vois. Bon, on va pas se mentir, le mec, le frérot, bon, il a pas la lumière à tous les étages quand même. Oh merde, j'avais pas regardé la page d'après. J'y vais avec le Fontel, tu vois. Avec, bon, je suis un geek, tu vois. Je garde quand même petit truc alimenté à l'énergie solaire et tout. Bon, voilà quoi. Best player in Rainbow Six. I know, Haikyo. Thank you. Take a sub. Arrête le cast, on veut te voir jouer. Ah ah ah, what? Moi je viens 1v1, je vais animer le live. Ouais ok, Laurent Baffy. Ça fait un mois qu'il fait 25 à Dunkerque, qu'ils sont partis les ours polaires. Pas vrai. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un de la prod qui vient dans mes oreilles? Y a-t-il une dernière game? Hein? Ah Tisma. Parce que je crois que ils sont en train de la créer, les joueurs sont en train de rejoindre les channels d'équipe, donc ça va arriver dans quelques instants. Donc il y a une dernière game. Oui, il y a une dernière game. Ah. Et je te laisserai, soit mon ami Epilo, soit mon ami Deadwis, te donner les non, capitaines d'équipe. Non, on m'envoie pas Epilo, c'est pas le... Pff, ah, c'est chaud. À le couteau fois... plus aiguisé du tiroir. Ah ouais, non, mais là, franchement... Ah ouais, non, c'est chaud. Et sinon, il était pas mal le remplaçant. C'est qui le remplaçant? Je sais pas, t'avais un mec qui s'appelait Tisma dans la game. Je sais pas si tu connais. En revanche, tu mets point d'exclamation YT, mais tu fais quoi chez YNK? Moi... Je sais pas. Ouais, c'est voilà. Parce que je suis un hein. fanboy. Je suis un fanboy. Ouais, voilà, ouais. Ok, bah boss, fils de pute, pour garder ce tag. Autrement, je te reporte, moi. Je connais du monde chez Ubisoft. Non, bon, c'est pas vrai, je connais pas chez Ubisoft. Ah. Create a spectator. Ok, et t'as des pseudos, des personnes que je dois inviter? Alors attends. Ah, Monsieur Epilo, oh non, va te c'est dire. Epilo. Ça va Epilo? C'est la merde. Tu vois, Tisma, pourquoi j'aime pas quand il vient? À chaque fois, c'est pour prêcher la mauvaise nouvelle.
Ah non, 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 ça va. Là, je viens de prêcher la bonne nouvelle. On a une nouvelle partie déjà faite. Je viens annoncer. Je viens l'annoncer. Donc, ça sera un Elo Champ Diamant. Ok. Je t'invite à inviter Archery. Tu m'invites à inviter ? Ouais. Ne refais jamais ce rire. Les viewers ont eu peur, Epilo. Et du coup, qui d'autre ? C'est Archery et Baizu. Tu sais que je fais du second degré ou tu vas encore me dire que... Parfois je suis méchant. Non, t'es sûr ? Oui, oui. Et Baizu.64. Ouais, bah, ah oui, c'est vrai que si on met pas le point qui est derrière, ça va tout changer dans le moteur de recherche d'Ubisoft. Bravo les mecs, ouais, bravo. L'ajout du truc shuffle. Non mais bon, un moteur de recherche les mecs. Et un moteur de recherche. En 2023. Même la FAQ est mieux faite. Ouais. Ouais non, faut pas abuser quand même. Des fleurs, toi. Et puis, c'est quoi déjà Baizu. Ouais. Baizu, oui. Donc je tape Baizu 100 points. Ah, maintenant ça apparaît, parce que bon, bah le moteur de recherche, il a visiblement du cash. C'est génial. Du coup, c'est bon. Eh ben, c'est parfait, voilà, les amis. Voilà. Eh ben, allez, bonne soirée. Puis bonne, bah, voilà. Bonne soirée, bonne game. À plus tard, merci, Epilo. Hein. Tu es très sympa, très sympathique. Tu as très très bien fait ton travail. Tu es très très bon. Hein. Merci. Tu peux y aller. Hein. Ah, c'est les jeunes, ça. Je suis obligé parce que, autrement, après, derrière, il va bouffer des Xanax et tout. C'est mort. Sisma, tu peux dégager aussi. Hein. Ouais, je me casse. L'autre il pleure et tout. Non mais c'est vrai. Archery et Baizu, que des gens qui rompichent sur le jeu. Ouais, ça va être relou. Eh hey, Baby Shark, eh hey, nique ta mère toi. T'as pris un sub ou pas ? Fais pas genre tu m'entends pas, enculé. Baby Shark, t'as pris un sub ou pas ? J'entends pas. Prochaine LAN, lui, je lui pète les genoux. Petit fils de pute. 6-4, le charme de la Salty n'est plus disponible. Bah non, Ubisoft me l'a enlevé, tu vois. À mon avis, je dois pas faire assez de contenu intéressant sur Rainbow Six, tu vois. Ça va être ça, je pense. Hein ? Le mec, il gagne toutes les LAN et il prend même pas un sub. Il gagne toutes les LAN. Tranquille, il a gagné la Louvard. Hein, la LAN qui est quand même dans un pays du tiers-monde et qui est quand même organisée pour les teenagers, quoi. Donc c'est l'équivalent du Club Mickey version avec des PC. Donc tranquille, tranquille quand même. Toutes les LAN. Hein, voilà. Merci ATNVTN. Consonne. Merci pour le fait d'être un nouvel étudiant, t'es un monstre. Et merci Cocktail Zolotov pour les 18 mois, t'es un monstre aussi. Et que t'as perdu. Est-ce que j'ai joué, moi ? Est-ce que j'ai joué ? Non. Est-ce que j'ai été coach d'une équipe là-bas ? À savoir derrière une équipe ? Non. J'ai donc pas perdu. Voilà, c'est aussi simple que ça, les amis. Hein. Ok. Salut les noobs ! On met quoi comme pseudo ? Bonjour. Le prochain qui se sub a le droit de décider du nom des équipes. Il y en a deux qui ont pris un one tap. Je m'appelle Baby Sheko. What? Ou sub gift, hein, nom des équipes. Oh putain, la vache. Bon bah Baizu est en train de faire un paiement MDR. La bise, Six, à plus. Merci TN pour tout, t'es un monstre. Ok, Ovara Gamer, nom d'équipe, celle que tu veux. T'as le droit de choisir. En avant. Mais comment ça ? Bah tu payes et voilà, il a le droit de choisir. C'est comme ça que ça se passe ici. Vas-y, Ovara, les chèvres et les boosted. Non mais mec, t'as fait un sub frérot. Du calme un peu, non ? Tu veux pas non plus le nom, le machin, le truc, et donner toutes les notes en avance. Et un sub, frérot. Il y en a, ils ont payé 10 subs pour avoir le nom de tout à l'heure. Les chèvres.
T'as le droit à les chèvres ou les boosted. Un seul, c'est tout. Ok, bon, t'as le droit aux deux, enculé de ta race. Merci pour le deuxième sub offert, du coup, pour Mike in game 59. Alors, toujours un plaisir de regarder les putes pour soutenir ce vieux grincheux. Ouais, ben regardez les deux fois. Chèvres. Les chèvres pour qui? Dans l'ordre, là? Là, je fais les chèvres, là? On peut pas mettre d'accent, forcément. Bah ouais, c'est pas comme si le jeu était fait par des mecs qui habitent à Montréal, quoi. Bah ouais, forcément. Le respect de la langue française, chez les... Bravo, bravo. Bravo, les Québécois. On peut même pas mettre d'accent. Et ensuite... 33 subs, je peux choisir pour les 33 prochains teachers. Non, les mecs, c'est comme ça. Il y a des promos parfois. Captain Fefe, t'étais pas là au bon endroit. Les boosted. Pour eux, les boosted. Ok. Un sub pour deviner, là, pour dire la map. Non, vas-y, Captain Fefe, t'as le droit de faire la map si tu veux. Avec tout ce que t'as offert. Moi. Airford, enculé. Et une map officielle, là, dans les 9 officiels, qui sera ni Theme Park, ni Chalet. Tout est payant, MDR. Ouais, bienvenue. Sky. Oh la vache, le fils de pute. Sky Creeper, quoi. Tu leur mets vraiment des bâtons dans les roues. Ah voilà, vous avez le setup. Ok, 5 subs. Non, ça, non, je peux pas. J'aime bien le projet. Eh, 10 subs et vous avez le droit de shuffle. On peut avoir la défense. Franchement, moi, je vais être avec la mine. Hein. Un sub. C'est, moi, je vais tout payer, mec, maintenant. Un sub et t'as la défense, Ryze. 950 subs. Vas-y. Je t'encule, Baizou. C'était en 2012 que t'as fait ça. Mais en 2012, je jouais même pas à R6. Ouais, bah, bats les couilles. C'était il y a longtemps que t'as offert des subs. Non, le dernier teacher, j'ai donné 73 subs. Ryze, il vient d'offrir 5. Il vient d'offrir un sub à Kabil Bilna. Du coup, shuffle 5 fois. Je veux la défense. Du coup, il a le droit à la défense. Ok, il décide. Donc, je peux changer d'équipe ou pas à la place? Attends deux secondes. Voilà, c'est bon. Tu peux changer d'équipe à la place? Ah non, mais après, c'est hyper cher. Après, c'est 5 subs pour un shuffle. Et j'appuie sur le bouton shuffle. C'est quoi, genre c'est... Ah bah, c'est random. Bon, il y a le Guise qui vient de faire déjà 10 subs. Donc déjà, je vais appuyer sur shuffle. Il y en a, ils vont pas être contents, je vous le dis déjà. Il y a le Guise, déjà, il vient d'en faire un. 3, 2, 1, premier shuffle. Bam, c'est comme ça. Voilà. Ryze, il a toujours le droit d'être en défense. Puis du coup, j'ai la défense. Let's go. Et pourquoi j'ai ça shuffle? Je suis pas avec la mine. Ah, désolé les mecs, hein. Si vous voulez reshuffle, vous savez comment ça marche. C'est le truc le plus moins équilibré possible. C'est le truc le plus moins équilibré. Ah ouais, toi t'as bien gagné la Louvard. Hein. Merci pour les 10 droits de scolarité. Trop bien équilibré. Pour Blaze, pour Monsieur Noob, pour Xenon, pour Grominou, pour Zoomea, pour Gigarox. Les mecs, il vous reste 5 subs. Soit on est d'accord. Ah, attendez, il y a quelqu'un qui vient de repayer. Ah non, il a donné juste 100 bits. Non, bah non, 100 bits, ça marche pas, les amis. Donc, il n'y aura pas de reshuffle. Dans une minute, je lance. Et dire qu'il a payé un sub en demandant la défense pour revenir en attaque. Non, je l'ai mis en défense. Non, ça, je lui ai dit, tu le gardes. Ryze, s'il te plaît, off 5 subs encore, s'il te plaît. Reshuffle, s'il te plaît. Ah non, là, je suis bien, moi. Ah, bah, c'est mon frère. Bah ouais. C'est quoi le problème, Baby Shark? Oui. C'est quoi le problème? D'un coup, on t'entend. Non, y'a pas de soucis. Attends, y'a Chico qui vient d'offrir 5 subs. Mais il fait pas partie. Allez, re-shuffle. 5, 4, 3, 2, 1, shuffle. Voilà. Mais c'est encore pire. Merci pour shuffle. Bah, c'est pas moi qui décide, mon gars. Faut se plaindre auprès d'Ubisoft. Bon, c'est pas grave. Moi, je suis chaud. Vas-y, je suis réduit. Attends, bah j'attends, hein, s'il y en a d'autres qui payent. Merci Chico d'avoir offert la possibilité à Kobe, Arter, LSK, Blade et Skull d'un droit de scolarité. Je mets un timer de 1 minute. Merde, attends, j'ai pas de timer. What the fuck, j'ai pas de timer. J'ai plus de timer. J'ai 3 stream decks, j'ai rien dessus, tu sais. Comment devenir riche? Bah ouais, train de la hype en plus. 1 minute, les mecs. À 21h22, j'appuie sur le bouton begin. Ça veut dire commencer en anglais, hein, pour ceux qui sont nuls.
Trop fort, Six. Ouais, bah, bien sûr, mais bien sûr, je le sais. C'est comme ça. 21h22. J'ai un petit truc en haut. S'il n'y a pas re 5 subs, je re-shuffle pas. Il y a un shuffle qui arrive, il y a un shuffle qui arrive. Il est 21h22, mec, je m'en bats les couilles. Non, il est en train d'envoyer, il est en train d'envoyer. 21h22, j'envoie. Attention! Moi j'ai toujours 21h21 là. Ça va être trop tard! Stop! Tu peux les garder tes 5... Oh la vache! Il les a envoyés. Pile au bon moment. Ok, mais attends, mais t'es pas sûr que ça aille dans ton sens, hein. Je sais pas, on essaie, hein. 3, 2, 1... Shuffle! Ça vous va ou pas? Ah bah, tranquille. Ça va, ça va. Ça va. La mini m'a quitté. Quoi? Il m'a quitté la mine. Attends, il y a... Triste. Ah non, c'est bon, attends pour moi. Je suis pas avec mon copineau, moi. C'est n'importe quoi, je suis pas... Ok, je suis obligé de relancer du coup le timer d'une minute, bien évidemment, parce que je me fais plein de thunes en ce moment, donc bon, voilà quoi. Donc ça lance à 21h23. Ah, c'est le principe de l'enchère. Hein. Eh ouais, c'est normal. Ça s'appelle une enchère... Je crois que c'est un nom, ça. Ça s'appelle... Je crois que c'est néerlandaise, un truc comme ça. Faudrait regarder. Il me semble que c'est enchère néerlandaise sur eBay. Le fait qu'à chaque fois qu'il y a un bid, ça... Le bid, c'est le... Ça relançait de 10 minutes le timer. Normal, en final. Pour éviter que tout le monde prenne le truc à la dernière seconde, au final. T'as pas une carte des forfaits disponibles? Ouais, je vais commencer à le faire. Il est 21h23. Il est 21h23, on lance. Ciao. Allez, c'est parti. Six n'a jamais été aussi content d'un ajout Ubi. Grâce au shuffle, les subs tombent à flot. J'avoue. Oh putain. Ah, j'utilise tous les trucs, c'est toutes les options données par Ubi. Comme sur FIFA quand t'achètes un joueur. Non mais Bob l'éponge, mec, t'écoutes du rap de merde et tu joues à FIFA. Y'a rien qui va dans ta vie, Bob. C'est hollandais. Ah, c'est ça. L'enchère hollandaise. Ouais, ouais. Ça relance le timer. Putain, la vache. Merci, Chico. T'es un monstre. Et merci, Breeze. Mais non, je joue plus à FIFA. C'est pour ta commu d'enfant. Oh. Et l'option bon serveur, elle existe pas, celle-là. Celle-là, ils l'ont pas trouvé. L'option tick rate non plus. Qui va gagner? Et là, il y a du niveau, je vous le dis. Je vous le dis, ça risque de... Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça risque de coller des petits one-tap, quoi. Niveau 5 du train de l'hype. Merci les amis pour tous ceux qui y ont participé. Et pour les autres, bah, allez vous faire foutre. Tu gagnes combien sur un live à peu près? Juste une fourchette. Je live 6 jours par semaine et je fais un salaire à 2005 par mois. Tu fais le calcul, hein. 2005 divisé par 4 x 6, 24, par 24, quoi. C'est comme ça. Les chefs, c'est win. Vous pensez? J'ai des skins, par contre, les copineaux, vous m'excuserez. Waouh, ça fait un moment, j'étais pas allé sur ton live, ça fait plaisir. Ouais, bah prends un sub, Rayfix. En plus, toi, tu prenais des subs avant. T'as toujours été sub, toi. Si tu t'abonnes, je suis sûr, il y a marqué 5 ou 6 mois d'abonnés. Parce que ton pseudo, je l'ai lu plusieurs fois. 104 euros par jour. Voilà, je me fais 104 euros par stream. Question bien française de demander combien gagne une personne. Non.
question réponse bien française que celle de dire non, franchement, je partage pas. Parce que franchement, je pense que on n'a pas une vision. Moi, j'aimerais bien être comme aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez, les gens, eh bien, ils ont aucun problème à donner leur salaire. Et ça, ça vient de la part des gens qui ne sont pas capables de donner leur salaire. Et ça, c'est incroyable. Et t'as envie de dire, mais nique ta mère, Elon Musk, dis-nous combien tu gagnes. Bon, bah, on était sur M-Trade, les gars. M-Trade, 1 sur 10. Oh la vache. Bon, bah, là, ça va être vite fait. Ah, hein. Oh, bah, je lui mets 1. Hein. Pas besoin de mettre le truc. Hein. On va aller voir c'était qui, du coup. Hein. Le français, j'ai déjà lu. Apprends à parler FR STP. What the fuck, Baffy? Le français, j'ai déjà lu. Apprends à parler FR STP. Est-ce que c'est pas le plus gros CSC de la soirée, là, quand même? Le Baffy qui bafoue. Le Baffy qui bafouille. Il y a une différence entre tabou d'argent et les journalistes qui préfèrent dire aux gens combien tu gagnes avant de dire bonjour, c'est lourd. Non mais les journalistes, c'est pas des journalistes, c'est des fils de pute sur TikTok. Hey! How are you doing? Oh, I really like your car. Amazing. What do you do for a job? Yeah, I'm a trader. And how much do you make for money? I make 100k, you know, 100k per hour. It's pretty good. Oh, really? That's amazing. Oh, wow. You're so fucking lucky. On n'a pas vu du coup ce qui se passait. What do you do for a living? You have an amazing car. Oh, yeah. T'as perdu les trois quarts de ton chat. Ouais, mais bon, le dernier quart qui parle anglais a compris. Vas-y, faut aller voir qui là. Là, je suis en train de. À chaque fois, c'est le dernier teach us et on va faire. Je vais faire du cast en fait. Ah, on n'a rien vu, là. Je rentre d'Écosse, je suis chaud sur l'anglais à la balance. Vas-y, mais les Écossais, on comprend rien de ce qu'ils disent, donc c'est pas vrai, ça. Pire endroit pour apprendre l'anglais, l'Écosse, quoi. L'Écosse et la Nouvelle-Zélande, sérieux. Et Manchester. Merci, Javed, pour les 3 mois de frais de scolarité. Salut, si ça va? Eh ben, écoute, ça va pas trop mal. Bon, il faut faire qui là? M-Trey, il a pris 1 sur 10. Ça, on en est sûr. Yo, slow. Il est où, Mary? Il est mort. Il est décédé, Mary. Pire endroit pour apprendre le français? Le Québec. Ah, je sais pas. La Belgique. La Belgique. Ok, on va aller voir qui, les amis? On va aller voir Archery. Allez, hop là. Notez, please. Regardez ce qui se passe. Soyez attentifs parce que moi, après, je vais oublier. Vrai de vrai, Messi ou CR7? Baffy, écoute. Réveille-toi, Foulet. Réveille-toi. T'as 15 ans pour deux. T'as 15 ans, ok? T'as 15, t'as 16 ans, ok? Regarde ma tête. Quand même. Et c'est pas Dwagby là. Ok. Bon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai 12 ans. Bah ouais, Baffy, mais si t'as 12 ans, t'as rien à foutre là. Ça se voit, je sais comment tu parles, je vois comment t'écris, frérot. Hein, mais t'es trop jeune. C'est limité aux plus de 18 ans ici. Le jeu est limité aux plus de 18 ans, ok? Et mon stream est limité aux plus de 18 ans. Et si t'as 12 ans, t'as rien à foutre là. Ok, donc
Et il est 21h, d'accord ? Va te coucher. Pense à ton avenir. Qui est déjà mort, hein, parce que si t'es sur Twitch à 12 ans, bon... Bah... Voilà, c'est finito, hein, quelque part. Regarde Little Big Whale, ok ? Ça ira mieux, tu réussiras peut-être mieux ta vie. J'ai 5€ PayPal, Six. Bah balance-les, que veux-tu que je te dise ? Tu vas en faire quoi, mec ? Tu vas les dépenser dans du caca, de toute façon. Autant me les donner. J'en ferai bon usage. Très gentille femme. Little Big Whale, oh ouais, adorable. À 12 ans, c'est là que tu dois aller, quoi. Au moins, t'entendras pas des gros mots comme fils de... pire parfois, genre gros marseillais. Ah ouais, il y a des mots. Il y a des mots durs ici. Toi, t'étais devant Buffy à 12 ans. Je sais pas si c'est mieux 6-4. Ça, c'est vrai que Buffy, je regardais pas mal. Qu'est-ce qu'il a mis ? Go sur 6 days in Fallujah. On a rien vu, putain, je regarde plus là. Je suis pas dedans. Ils ont fait quoi, les mecs ? C'est ça qui est relou avec les bons joueurs. Il n'y a rien qui se passe pendant 16 minutes, quoi. Et après, ça se joue à... Voilà, quoi, tu vois. Là, on est en just chatting, les mecs, depuis tout à l'heure. Venez, on les laisse jouer, on se casse. On va faire autre chose. C'est un teach-us ou une vidéo gameplay ? Ah ouais, mais bon... C'est ça qui est marrant avec les golds et tout. À chaque fois, ils me donnent des niveaux, là. Ça sert à rien de regarder ça. Tout le monde s'en bat les couilles des jambons dans les jeux vidéo, etc. Maintenant, ce qu'on veut, c'est des gens qui puent la merde dans les jeux vidéo. Mais c'est vrai, les amis. Forcément. Maintenant, ce qu'on veut, vous voyez bien. C'est forcément des gens qui sont pas très bons. On veut plus du truc qui sont très bons. Ça fait chier tout le monde, tu vois. C'est pour ça que Gibbs, il marche si bien, tu vois. Les gens, ils veulent des gens sur des jeux vidéo connus qui sont nuls à chier. Et voilà. Ouais, j'y ai réfléchi. On va regarder M-Trail encore, là. Staking. En plus, skyscraper, quoi. God damn it. Tac, tac, tac. Mais ouais, faut des plots. Ah bah tiens, en v'là un, tiens. Eh ouais, là c'était pas mal là, de la part de Steaky là. Ah ouais, là il était bien con lui. Combien pour Steaky là, qui fait cet opening de merde sans avoir droné derrière, etc. Et qui nous fait échec comme une merde alors qu'en plus il a Jackal quoi, avec cette décale totalement pourrie. Ouais, cerise derrière. Ah parce que là, franchement... Ah bah Steaky, ça sent le jambon hein, ton niveau de jeu. Le mec, en fait, il meurt tellement rapidement. Du coup, on sait pas qui c'est, t'sais. Il est mort ? C'était qui ? Et d'où c'est là de vient le pseudo, en fait. C'était qui ? J'ai pas vu. Ah ouais.
Ah ouais, elle est bien. Oh ouais, lui, c'est la risée de l'équipe. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah là là, putain. Vous avez mis 1 pour Steki, quoi. Ah bah, moi aussi. Possible de préciser sur les miniatures ou dans le titre des vidéos quand c'est les héros de l'EHPAD ? Non. Non, non, non. Non, 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 on va pas faire ça, non. Je l'ai même pas vu tellement il est mort de rire. Bah ouais. Bon, on a fait un mec. On va aller voir qui ? Ouais, Baby Shark, gna 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 gna, Baby Shark, il est un kill, hein. Yo, le bon Kaïs, comment ça va? On va aller voir Baby Shark, les mecs. Oh putain, Yana en plus. Je pense qu'il va se faire ouvrir en deux. N'empêche, quand on y pense, MYD, ça pue la merde comme pseudo, non? C'est hallucinant quand même, cette capacité que les Français qui comprennent rien en anglais, parce que la majorité des Français, on est nuls en anglais. Mais donc du coup, on se dit, hey guys, tu vois, un peu comme les t-shirts de, en français, tu sais, sur les t-shirts chinois, tu vois. Paris, lumière, kangourou, parfum, beauté. Waouh. Putain, ça doit être trop bien. Et donc du coup, tu vois, ils ont fait « Make your destiny ». Donc déjà, make your destiny, bon ça veut rien dire, tu vois, make your destiny. Parce qu'on serait plus dans une logique de create your destiny. Mais est-ce que par définition, justement, ta destinée c'est un truc que tu ne peux pas faire, quelque part. La destinée, est-ce que c'est pas l'explication justement que tout est écrit et que du coup, ça ne sert à rien d'avoir un sens de contrôle sur nos vies, donc make. Puisque par définition, tout est écrit et on ne contrôle pas les choses. C'est un pléonasme, make your destiny. Ouais, c'est pas mal ça. La destinée est prédéfinie. Ah la vache. Ah bah là, il a vécu sa destinée. Hein. Là, c'est plutôt take your destiny, hein. In the face. Hein. Ah bah il était destiné à mettre une grenade et à se prendre un gros one tap à Baby Shark. Ah, c'est parti. On va lui mettre une sale dot. Ah ouais, forcément. Ah bah la destinée là, là il vient de la manger. Ah ouais, TYD, take your destiny. Ah, du coup Archery, on l'a déjà vu tout à l'heure, non? Archery, je suis sûr, il est sur le live, ce fils de pute. Oh, il a même pas vu le mec derrière lui, Archery. Il a même pas vu le mec qui le suit derrière lui. Non, c'est bon, il est pas sur le live. Oh! Il a un peu checké derrière, là, quand même. Du coup, combien de... pour le... Attendez. La grenade était bonne. La grenade était bonne derrière, mais il s'est fait niquer. Bah ouais, 3 sur 10, mais bien sûr. 3 sur 10 pour Baby Shark. Et Make Your Destiny, ah quoi. Je pense qu'il faut le virer. En gros, c'est pour te dire de pas te prendre la tête, de faire ce que tu aimes. Waouh. Make Your Destiny. Mais non, ça ne veut rien dire. Ça va rien dire, les mecs. C'est pas make your dreams? Non, c'est make... Ah, c'est make your dreams? Hola, comment est-ce que... Comment est-ce que... Muy bien, du tout, Nakasa.
Je comprends pas, les Français sont incompréhensibles en ce moment, que des mauvais choix pour la politique, etc. Le monde part en couille. Bah fille, écoute, va te faire enculer, ok? Tiens, tu vas te prendre 10 minutes, va prendre l'air, tu vas voir, ça va te faire du bien. Nope, c'est Make Your Destiny. Bah on est d'accord, ça veut rien dire. Make Your Destiny. Make Your Salarié à la limite, tu vois. Make us à l'ami. À la limite, tu vois. Mass. Make us à l'ami. Tu vois, ça c'est possible. Tu peux créer un salami, ça. Là, t'es charcutier. Make us à l'ami. En avant. Ça, ça passe. On a déjà vu Sifra là ou pas? Et les ninjas in pyjama. Bon allez mec, vous avez pas le droit, les ninjas in pyjama justement. Là on essaie pas du tout de se la raconter en mode yeah, we speak English. Les ninjas en pyjama, mais c'est incroyable comme pseudo. C'est incroyable comme pseudo et de l'avoir gardé. Ninja in pyjama, ça veut justement dire on se prend pas au sérieux. Et vous qui êtes né là en 2000, là, vous qui avez autour de 20 ans, vous devriez kiffer ça. Ouais, faut pas trop se prendre la tête, faut pas trop se prendre au sérieux. Bon bah voilà, parfait. Ninja in pyjama, bon, voilà quoi. Killer en slip. Ça va, ça touche là hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les nouveaux Frost là. En mode tu boites et tout là. Bon, allô, t'es chez Echo, ça va là? Il est pas mauvais lui là. Bon, faut arrêter le clic droit pour rien mais... J'aime bien lui, il réussit son clutch, c'est obligé. Doucement, 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 frérot, doucement quand même. Il est bon lui, lui j'aime bien lui. Lui j'aime bien lui, lui j'aime bien lui. Lui j'aime bien, lui il a un bon petit... il est pas mauvais lui, je sais pas qui c'est mais il est pas mauvais, ça se voit tout de suite là. C'est affûté, j'aime bien. Start Paul. Ah, allez, ça commence à se plaindre. J'arrive pas à faire une blague. One more salty fan. Defenders, protect your bombs from being defeated by attackers. Ah si. Ça va en fait. Tu vois, même lui il rigole de son propre nom d'équipe. Hein. Make your defeat. 8. Vous avez mis 9. Waouh. Ça, je suis content, j'ai mis 30 balles et au moins je gagne. Allez, ça commence. Il est comme ça, Baby Shark. Hein. Il a un ego de ouf, hein, nom de Dieu. Hein. Ça, c'est incroyable. Hein. Il va encore chialer. Hein. Il déteste perdre, hein. C'est pas possible. Hein. Il va faire sa petite chialeuse. Je l'avais déjà dit à la première Louvard, il a failli la perdre à cause de ça. Ah, il a perdu? Je sais plus. Ça, c'est la première ou la seconde? Oh là là, il était inconsolable, irrécupérable entre deux games là.
Je lui ai dit, mec, tu vas dehors. Tu vas prendre l'air. Il chouine tout le temps. Oui, il l'a perdu. Ouais, il l'a perdu. Il l'avait perdu contre qui? C'était quoi déjà le mix? Tu startes en dev, t'as une bonne squad, les serveurs sont en OS. Et... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et voilà, c'est ça qu'on veut. Pourquoi je suis sur M-Trail encore, moi? Merde, j'aurais dû mettre sur Baizu. Je suis désolé. Ils vont pas remonter. Ils vont pas remonter. C'est une pleureuse. Baby Shark un peu, ouais. Allez. Oh là là, mais ouais, non, mais baby, c'était quoi ce move, Baby Shark? Ils vont perdre! Oh là là, make your débil move. Non. C'est un peu un Alpibis. Ouais, j'avoue. 7-0 incoming. Oh là 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 là. Allez, la remontada. Putain, la vache. Ah, c'est bon, ils y sont plus, là. Ils sont en train de s'insulter en allemand et tout de l'autre côté. T'es, c'est obligé. Merci, Skart Viper. Merci pour les 38 mois déjà que la vipère peureuse paye ses droits de scolarité. Effrayée, la vipère effrayée. Merci pour les 38 mois. Merci, le oui, le vrai, pour les 5 mois. Merci, mon poulet. Bonsoir, my lord. Mais que se passe-t-il? Comment ça, que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? Du coup, les mecs, on a regardé qui, quoi, comment et où? Il nous manque qui, là? Il nous manque plein de gens. Bon, on a vu de belles personnes. On va pas aller regarder Baby Shark parce que là, il est en mode... Il est en tilt. De toute façon, il est en tilt. Là, il est en train de les insulter en javanais, je te le dis. Vous voulez que j'aille voir ou pas? Regardez, regardez comment... Regardez, ça va chialer. Vous êtes prêts? C'est le premier qui va parler. On va voir ou pas. Attention. 3, 2, 1, 0. Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Il se passe quoi, là? Non, mais c'est pour le spectacle. Ça va se réveiller, ça va se réveiller. Baby Shark? Toi, j'ai rien, moi, j'ai rien. Y a rien d'équilibré, c'est tout. Mais y a pas de soucis, moi, je m'en fous. Arrête de dire ça, toi. Genre, je mytho? T'es en train de pleurer un petit peu, Baby Shark! Oui, d'accord. Il est en train de pleurer. Let's go remonter là. Ouais, ouais. Ouais, ça part. Ça arrive pour moi dans l'office. Et que c'est office. Là, c'était le mime avec le masque là, du mec. Le mec qui rigole et qui pleure derrière. Bon. Ils perdent 7-0, c'est sûr. Non, moi je dis remontada. What the fuck? Putain, j'avais jamais... Putain, il a travaillé son truc ou quoi? Allez. Allez, Baby Shark, premier kill. Allez, barre-toi. Oh, il s'est fait niquer au couteau. Bon, il a fait du dégât. On a déjà vu M-Trail, j'en ai marre de regarder les mecs. On va regarder Fliss. Fliss, il y a une trappe à drone, mec. T'as entendu le challenge, mec? Ah bah non, il y a Koum qui l'a entendu. Ah, Fliss s'en bat les couilles, il prend des grenades dans le... Waouh. Fliss.
Oula. Oh là là, le flis de pute. Ça sent mauvais. Aïe 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 aïe, on a même pas pu noter les gens. Ah, on a noté personne. Vous êtes pire que le 1 sur 10. Faut doser. J'en offre 1 à la limite. Non, non, non. Faut que je mange, là. Eh ben, c'était vraiment pas terrible, hein. Oh putain, il est parti instant, Baby Shark. Il a même pas dit au revoir, ni rien, ni merde. Merde, il est parti. Bon, allez, bisous, les poulets. Merde, moi qui croyais à la remontada. Bah moi aussi, je croyais à la remontada, ça aurait été cool. Merci les Will Ovray pour le 5 points de frais scolarité. En tout cas, t'es un monstre. Du coup... Baby Shark, tu vas pas... Eh, tu vas pas faire la tête, hein. Je viens de dire au revoir ici, du coup, 1h30 d'attente pour ça, j'ai kiffé. Baby Shark, calme-toi. J'ai shuffle. Baby Shark, t'étais pas obligé d'attendre, hein. T'es pas obligé d'attendre, Baby Shark, mon petit poulet. Ouais. Anyway. Bon. Du coup. Je vais juste regarder s'il y a des gens qui sont disponibles pour que j'aille sur... Il y a des gens dispo pour aller sur 6 days. Go 6 days. Baby Shark, t'as pas le niveau champ. Oh, les fils de pute. GG à eux, ils étaient meilleurs, là, faut le dire. Non, mais c'est une dinguerie. On était 2 champs contre 5 champs. PTDR. Baby Shark, nique ta... Ferme ta gueule, franchement. Ton placement dans la kitchen, là, à la fin, là, sur le 2v2, t'avais envie de perdre. Il va falloir que tu fasses gaffe, hein, mec. Tu vas jamais réussir à devenir un bon joueur si à chaque fois, tu tiltes, quoi. Tu devrais même pas passer une seule seconde sur ce truc en disant, bon, c'est pas grave, quoi. T'as un mec. C'est pas possible, quoi. On dirait WAM quand j'avais ton âge. Regarde ce que je suis devenu, hein. T'as envie de devenir comme ça? T'as envie de devenir champion du monde et beau gosse? Fais attention à toi. Fais attention à ta destiny. Make it. Non, mais j'avais plus envie de jouer MDR. J'avais 120 de ping toute la game. Oh, putain. Baby Shark, il faut que tu fasses une équipe avec Alpi. Vous êtes les mêmes. Allez, please, relax. C'est un teachers, frérot. C'est pas le Six Invitational. Depuis le temps que je voulais participer à un teachers, comme par hasard, aujourd'hui, j'étais pas dispo. Ah ouais, désolé, Martin Mystère. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu. J'ai été noté, j'espère, parce que cette round, c'est pas assez pour tout le monde, MDR. C'était qui? Je crois pas que t'as été noté. Je crois que je t'ai fait la meilleure blague de l'histoire de l'humanité. Hein. Parce que vu que tu t'es fait défoncer la gueule dès le début du round avec une décale dégueulasse, et je me suis dit, je sais pourquoi il s'appelle Steaky. C'est parce qu'un jour, les casteurs, ils étaient en train de le caster, et comme il meurt instantanément, le casteur se demande, Steaky? Ah, c'était Steaky. C'est pour ça que tu t'appelles comme ça, à vous. Parce que le casteur, il ne te voit jamais jouer, en fait. Steaky? Ah, il est mort. Ouais, voilà. J'ai compris pourquoi tu t'appelles comme ça.
pas folle la guêpe. Aïe aïe aïe. Bon. Oui, présent. Oui, bonne nuit. Bonne nuit. Viens, salle d'attente. Je suis pas là aujourd'hui, DSL. Oui, aussi. Je regarde dans mon lit. Je serai pas là. Nanana. Go, salle d'attente. Ladies and gentlemen, on va aller sur Six Days in Fallujah. Merci à tous, les amis, d'avoir suivi ce live sur Rainbow Six Siege. Mais maintenant, on se barre sur Six Days in Fallujah. Un jeu à base de... Get the fuck over here and shut the fuck up and take the democracy and blablabla, tu vois. En mode suppressing fire, we need a hair squad, 5-4, 5-4. Des trucs comme ça, tu vois. Truc un peu matrixé. Alors, on n'est pas encore dans Six Days, mais j'ai eu l'impression d'y être. Je suis en train de faire la mage, là. Ah ouais, il y avait une mage. Ouais, moi j'avais une. Ah ouais. Oh là là. Ok. C'est juste que Steam, il me fait une réorganisation.